Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis contente de vous accueillir pour la guidance de votre semaine. Semaine du 16 au 22 septembre 2024. On va aller voir le général, le pro, le sentimental et bien sûr je vais faire les 12 signes donc du bélier jusqu'au poisson. On est ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on reste sur une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires, même si ça vous parle d'ailleurs. Ça peut venir compléter votre guidance, préciser quelque chose pour vous. Ça peut avoir une autre résonance, donc vraiment n'hésitez pas. Vous pouvez regarder votre ascendant, mais vous pouvez regarder le lunaire, surtout émotionnel. Et si vous voulez en savoir plus sur le sentimental, regardez votre signe Vénus. C'est hyper intéressant déjà de connaître ces signes-là. Et en plus, ben, du coup, ça peut vraiment vous aider. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles. Vous retrouvez tout ce que je vous propose, que ce soit guidance, que ce soit avec les défunts. Voilà, il y a plein de choses, du soin, enfin, il y a plein de choses à regarder si vous avez envie en tous les cas. Moi, je suis Sabrina pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, on va regarder ensemble ce que je vois et ce que j'entends pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Donc, vous avez votre timecode sous la vidéo, hein, bien sûr, pour aller directement sur votre signe ou vos signes. C'est parti, on y va. On commence avec vous, les béliers. Allez, les béliers, j'espère que vous allez bien. On y va. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour cette semaine du 16 au 22 septembre, les béliers? Quelle est l'énergie? Allez, on vous parle du cavalier d'épée. On vous parle d'action. On vous dit que vous allez être. Il y a une action décisive pour vous. J'ai besoin d'aller au bout des choses et d'avoir envie de prendre votre envol tout en étant dans cet esprit, avoir envie d'aller au bout des choses. J'entends cette phrase, on me dit au bout des choses, dès que j'ai retourné cette carte. Il y a ce besoin aussi de prendre, d'aller sur un changement et d'aller sur des choses assez directes, d'être assez réactif sur cette semaine. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre encore comme énergie? On vous parle du roi de Pentacle. On vous dit que vous allez récolter, vous mettez en action plein de choses que vous avez pris connaissance, il y a des appuis, il y a des connaissances. Ça vous parle d'une personne aussi bienveillante à vos côtés, quelqu'un aussi qui assure votre sécurité ou dans lequel, en tous les cas, vous vous sentez dans une forme de sécurité, j'entends. Ça me montre que, il est question aussi d'entreprendre quelque chose qui a beaucoup d'importance et de valeur pour vous. Et je vois que vous êtes porté par une énergie vraiment qui va vous emmener à de la reconnaissance aussi, j'entends le mot reconnaissance, mais à quelque chose dans tous les cas. Qui va vous nourrir en fait. Il y a besoin de se nourrir, j'entends, de l'intérieur. Donc, ok. Alors, on a quoi? On a le page de bâton. Le valet de bâton. Attendez, je les mets là. Voilà. On a le valet de bâton. Donc, on vous parle d'une, encore une fois, d'un mouvement, d'une action, d'un changement. Chose qui va se déplacer. Peut-être une envie de partir, de voyager, de bouger. D'évoluer aussi par rapport à un chemin de vie, chemin sur le plan pro, qu'importe. Mais je vois que vous avez envie d'aller dans l'action sur cette semaine. Il y a ce besoin de savoir où vous allez, il y a une décision importante que vous allez mettre en place. Ça vous parle de connaissance et de savoir. Parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui a du. Des valeurs, il y a vraiment quelque chose qui est important pour vous à ce milieu-là. Alors, on va aller regarder du coup sur le général ce que je vois. Alors, je vous mettrai bien sûr les jeux que j'utilise hein, sous la vidéo en général. Je vous mets même les liens si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Allez, union, fatalité. Vous voyez, vous prenez une décision décisive, hein, les amis. Vous allez couper, trancher. Avec tout ce qui n'est pas en raccord à vos besoins, à vos valeurs. Vous allez pouvoir vous connecter à ce chakra cœur qui demande justement d'être entendu. Vous coupez aussi avec tout ce qui est lien karmique, j'entends.
Et vous coupez avec tout ce qui avait été négatif, clairement. Allez, c'est un cadeau pour vous. On vous dit que c'est un mal pour un bien. Si vous avez vécu des choses ces derniers temps qui ont été un petit peu difficiles, vous avez vécu comme un échec, une trahison, etc. Ça vous dit que ça, vous avez beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de... Oui, j'entends que vous avez vraiment beaucoup plus de potentiel que ce que vous voulez peut-être voir ou quelqu'un ne vous appréciait pas à votre juste valeur. Et là, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Si vous avez coupé avec certaines choses en ce moment, quelque temps, ça vous permet en fait de vous libérer. Et là, on voit que vous prenez complètement votre envol. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, vous avez un besoin de changement, vous avez besoin de trouver une nouvelle réflexion. C'est vraiment quelque chose qui me montre que vous avez envie de peut-être de tenter un nouveau chemin, de nouvelles choses. Et ça vous fait du bien en fait. Ça vous permet de vous libérer d'un certain poids. Pour certains, ça peut être bien sûr sentimental. Pour d'autres, ça peut être un engagement. Vous rompez un engagement. Il y a peut-être une cassure par rapport à du travail ou au niveau sentimental, ou amical ou familial, qu'importe. On regarde au niveau professionnel pour vous, les béliers, pour cette semaine du 16 au 22 septembre. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, voyez, engagement. Alors, vous attendez peut-être que quelqu'un s'engage ou un retour par rapport à, voyez, le savoir encore. Et la mort. Bon, il y a vraiment quelque chose dans lequel vous allez stopper. Vous avez envie de stopper, vous avez envie d'arrêter de faire quelque chose, d'être dans un cycle. Vous avez peut-être envie d'arrêter peut-être un boulot pour partir dans autre chose. On voit que vous avez une envie de nouvelles aventures, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. En dos de deck, on a le mental. Ça fait que me répéter que vous n'êtes pas pris à votre juste valeur ou vous ne dégagez pas votre plein potentiel. Ou vous êtes en phase et donc du coup vous doutez beaucoup. Vous doutez peut-être de certaines personnes autour de vous, vous doutez d'être dans le bon chemin, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vous éloigner de personnes toxiques au niveau pro, des gens qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Vous allez partir de tout ça, vraiment. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous êtes en train d'acter certaines choses. Hein. Les livres, le papier, les connaissances. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous êtes en train de vous enrichir. Vous avez envie de stopper quelque chose pour aller vous enrichir. Il y a besoin d'apprendre. Il y a de l'apprentissage dans ce que vous êtes en train de faire. Vous tentez de nouvelles expériences aussi hein, sur cette semaine. Vous avez envie. Il peut y avoir une proposition, un partenariat intéressant, mais il faut que ça soit favorable pour vous. C'est pour ça que vous devez bien y réfléchir. Peut-être que vous êtes lancé dans une aventure, mais au final, ce n'est pas si intéressant que ça, ou vous n'êtes pas mis à votre juste valeur si vous êtes dans un nouvel emploi ou dans votre recherche d'emploi. Il y a vraiment quelque chose où vous avez envie de trouver quelque chose qui est dans les mêmes attentes que vous, dans les mêmes objectifs, vraiment. Pardon, je tousse. Sur votre sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers cette semaine? Dans le sentimental, la conception. Ok. Allez, on voit. Alors, vous êtes très connecté par rapport aux enfants. Ça vous parle aussi d'une construction sentimentale hein, qui prend du temps. Vous adorez ça hein, quand je vous dis ça. Je les prends pas parce que je n'ai pas concentré. Je rigole. Mais. Je sais que vous en avez marre de la patience. Hein. Là, j'en ai trop d'un coup. J'en aimerais une, s'il vous plaît. Merci. Et on vous dit oui. D'accord. On vous dit que quelque chose va pouvoir avancer au niveau sentimental. Soit parce que vous êtes en couple. Et donc, du coup, on vous parle de quelque chose qui est favorable. Alors, soit c'est parce que vous avez envie de partir et c'est une séparation. Et on vient vous dire oui. Vous songez à quelque chose, à une séparation. En tout cas, les guides sont avec vous. Vous êtes particulièrement payés, les amis. Donc, c'est très, très positif. Je vois clairement pour vous que, y a cette envie, les béliers, de pouvoir évoluer, mais à son rythme. Il y a besoin d'aller à son rythme. Soit quelqu'un vous dit certaines choses, mais met trop de temps. Donc, du coup, ça vous gonfle parce que vous avez envie d'aller
plus loin. Et donc, vous allez dire un stop à cette relation. Bonne chose que vous empruntez un chemin différent. Vous avez besoin de couper cette relation qui était peut-être toxique pour certains. Et il y a quelque chose de meilleur qui va arriver par la suite. Il y a aussi, pour certains, des projets que vous avez envie de faire depuis un certain temps. Je parle de couple établi. Et je sens, voilà, vous avez envie peut-être de faire de nouvelles choses dans ce couple-là. Vous réfléchissez à de nouvelles choses. Ça peut être acheter, ça peut être un projet. Acheter, je dis n'importe quoi, hein. Ça peut être une maison, ça peut être, je sais pas moi, un camping-car, acheter une maison secondaire, dépend vos biens, vos valeurs, etc. Mais voilà, je sens qu'il y a un projet commun. Et pour certains, c'est l'envie de concevoir un enfant. On est sur la conception d'une vie de famille aussi. Ça peut être une famille recomposée également. Mais ça vous dit de ne pas vous précipiter pour certains, parce qu'il y a quelque chose qui prend son temps. Et pour d'autres, je vous dis, il y a une personne, vous avez envie de vous engager, vous êtes prêt, vous êtes sérieux, j'ai l'impression que cette personne-là, vous êtes en train de comprendre que cette personne-là n'a pas envie de s'engager, n'a pas les mêmes attentes que vous. Donc là, ça diverge en fait. Et est-ce que vous avez envie d'arrêter cette relation pour certains ? Voilà, la fin revient quand même plusieurs fois. Ça vous dirait que oui, que mentalement, peut-être que ça vous bouffe pas mal d'énergie également. J'avais envie de vous faire une petite carte bonus. Allez, on regarde. Une petite carte bonus et un petit message qu'on pourrait vous donner encore, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Projection. On vous dit de réfléchir à ce que vous avez envie de faire. Pour certains, en dos de deck, on a l'étranger. En tous les cas, je vois quelqu'un qui donne beaucoup et qui a besoin aussi de pouvoir... il y a ce besoin de se projeter. De toute façon, on le voit. Mais se projeter dans quelque chose qui a les mêmes attentes que vous, les mêmes valeurs que vous. Ça peut être dans des projets aussi humanitaires, ça peut être un projet de déménagement, où vous allez bouger. On vous dit que vous êtes à la recherche de votre propre projection et de la manière dont vous voulez faire les choses sur cette semaine. Donc ça peut être un déménagement, je vous dis, ça peut être un changement de poste, un changement par rapport à une relation. Vous avez des choses qui vous tendent les mains, c'est les guides hein, qui sont autour de vous, en tout cas cette énergie bienveillante que vous dégage avec ce roi de pentacle et on vous dit que vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses bougent, avancent. Vous allez tout faire pour ça en tous les cas. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire bien sûr. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance, privé, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles et je vous ai mis le lien directement dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien mes amis. Taureaux, on y va, on regarde pour votre semaine du 16 au 22 septembre, quelle est l'énergie. Allez, les taureaux, ils sont au taquet. Les taureaux, ils en ont plein le dos. Cette semaine, vous avez une sensation d'effort. On voit que vous avez envie de... Vous êtes en train d'avancer, mais on sent que voilà, vous tractez beaucoup de choses sur cette semaine. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Il y a pas mal de choses à prendre en considération. Et attention à tout ce qui est burn-out, que ça ne soit pas trop lourd non plus, parce que pour y avoir une forme de surcharge, ou de vous sentir un petit peu débordé. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous? Ouais, vous voyez, on a le 7 de bâton. Vous vous sentez un petit peu surchargé, accusé, pointé du doigt. Vous avez l'impression que tout vous revient un petit peu dessus et vous êtes en train de porter beaucoup de choses. Vous avez l'impression aussi que tout le monde vous accuse ou on vous montre que voilà, vous êtes peut-être aussi au centre de l'attention ou vous avez peut-être... la sensation de devoir répondre à des attaques, à des critiques, ou que les gens sont contre vous. Vous voyez, il y a ce sentiment-là. Quoi qu'il en soit, vous avez le 3 de coupe. Donc, c'est très, très positif, le 3 de coupe. On est sur, justement, une récolte. Donc, ça vous demande beaucoup d'efforts. Vous avez peut-être senti, vous avez dû faire preuve de courage, de ténacité, de patience, de planification. Et de savoir se défendre aussi, tout simplement, hein, aussi, bien sûr. Et là, on vous dit que sur cette semaine, si vous êtes dans cette énergie-là, dans cette semaine, vous allez avoir la récolte.
on est sur les récompenses et la reconnaissance. Donc, on vous dit que tous les efforts que vous êtes en train de traverser ou que vous avez traversé sont littéralement payés. Vous allez avoir un retour favorable à ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour votre général, les amis? Les taureaux, c'est parti. On a les plaisirs. Alors, beaucoup de créativité, j'entends. Une envie aussi de se réaliser et de faire des choses qui vous font beaucoup de bien. Il y a quelque chose dans lequel j'entends, vous revenez aux sources ou quelque chose dans tous les cas qui vous nourrit, qui vous remplit. C'est marrant parce que j'ai eu la même phrase pour les béliers, donc je ne sais pas si ça vous parlera. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le général pour cette semaine? Allez. Il y a des choses à gérer au niveau de la maison, du foyer, par rapport à des personnes autour de vous ou à une situation sentimentale. Ça peut toucher un homme en particulier. Ça peut être deux vibrations différentes. C'est-à-dire, soit vous êtes dans des séparations, donc vous traversez un moment difficile, mais il y a une libération par rapport à la maison. Et donc, du coup, vous allez avoir une victoire par rapport à cette situation-là. Il peut y avoir aussi peut-être des personnes qui sont contre votre relation. Quoi qu'il en soit, vous allez sur cette victoire avec cette personne. Vous avez peut-être envie de vous engager, de vous marier, de passer un temps important avec cette personne-là, passer un cap ensemble, etc. Même si il y a quelque chose qui vous pèse sur les épaules. En dos de deck, on a l'infortune. Quelque chose qui avance lentement. Encore une fois, on est tout à fait dans la résonance. Et le Béline et le Tarot, de toute façon, je trouve qu'ils matchent très très bien, ceci dit. C'est un peu cette énergie-là, hein, de toute façon. On est avec, c'est le petit frère, la petite soeur, qu'importe, mais on est un peu dans cette énergie. Donc, on vous montre que vous êtes en train de vous débarrasser de tout ce qui pourrait un petit peu vous ralentir et qui pourrait vous obliger à prendre en considération une forme de pénibilité. Vous avez envie d'apporter une certaine stabilité dans le foyer et la maison. Mais attention à la surcharge, particulièrement sur cette semaine. Il se peut aussi que vous devez aussi, pour certains, passer par une phase à la maison. Donc, ça peut être lié à un arrêt maladie, quelque chose qui est en rapport aussi à une maison, une construction, à un foyer. Il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Et ça va vous faire plaisir parce que vous allez vous battre pour, mais vous allez avoir cette récolte avec ce 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? On vous parle d'une personne plus âgée, on a la grand-mère, mais ça peut être une personne professionnellement qui a du pouvoir. Alors, j'en ai trop, en pas tout. Si ça doit ressortir, ça ressort de toute façon, croyez-moi. Passivité, voilà. Vous voyez, c'est exactement la même vibration, encore une fois. Il peut y avoir, elles veulent venir toutes les deux, on les prend, deux, ça passe. 4, 5, non. Il y a quelque chose dans lequel vous avez un besoin de reconnaissance. Hein. Vous allez accepter ou en tout cas vous élever par rapport à une situation de. Alors, ça peut être par exemple. J'entends en fait que pour certains, vous allez avoir peut-être enfin la récompense tant attendue, une augmentation, un nouveau poste, une mutation, qu'importe. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose dans lequel vous avez envie de célébrer au niveau professionnel. Il y a un alignement, vous êtes en phase avec ce qui vous êtes. Vous avez eu besoin de cette reconnaissance, il y a eu beaucoup d'efforts. Hein. Par contre, je sens beaucoup d'efforts de votre côté, que ce soit dans le privé, le pro ou autre. Il y a beaucoup d'efforts qui est donné de votre côté. Ça vous dit aussi peut-être que vous avez dû faire beaucoup de concessions aussi ces derniers temps. Donc, ça a été difficile pour vous et vous avez pris beaucoup émotionnellement parlant. Et là, on vous dit que pour certains aussi, il y a peut-être pour certains un départ de retraite, la fin d'une carrière, quelque chose aussi comme ça. On vous dit en dos de deck, on a la prise, mais en version négative. Donc on vous parle d'une déconnexion. Il y a quelque chose qui n'était pas connecté, ou en tout cas où le courant ne passait pas. Et là, on vous dit que vous allez régler cette problématique. Ça met du temps, c'est pénible. Sur cette semaine ou dans les semaines avant. Et là, en fait, vous êtes sur le dernier
coup de, voilà, le dernier claque, le dernier coup de clé pour pouvoir acter et pouvoir justement fêter, célébrer en tous les cas, cette victoire. Sur le plan sentimental, vous avez besoin, oups là, de communication. On vous parle que vous avez un besoin d'échanger et de savoir dire non. Non à ce qui ne vous va pas, non aux fausses croyances, non à certaines choses. Et on a l'intuition. Vous sentez les choses, mais vous ne les écoutez peut-être pas assez. Festivité, les gars, vous allez faire la fête. Si vous ne faites pas la fête, vous allez me dire pas du tout. Ça va, non, en ce moment, ça ne va pas. J'ai pas du tout envie de faire la fête. Alors, c'est ou non, je n'ai pas envie de faire la fête, ou certains vont s'éclater et ont besoin de faire la fête, de décompresser et de fêter ça. Mais en tous les cas, vous n'écoutez pas assez votre intuition, hein, visiblement. On vous dit d'être attentif à ce qu'on vous dit, aux communications que vous allez avoir. Il est peut-être question d'une rencontre autour d'une fête, ou en tous les cas, peut-être d'un événement, quoi qu'il en soit, que vous avez envie peut-être de fêter, hein, tout simplement. Je vois aussi qu'il est question aussi de parler avec une personne, peut-être qui porte beaucoup de choses. Cette personne se sent un petit peu dans la maison ou dans le foyer, avec, qui porte beaucoup de responsabilités ou qui se met beaucoup de responsabilités. Il y a un lien aussi transgénérationnel. Les taureaux, peut-être quelque chose que vous avez envie de permuter, quelque chose dans lequel vous vous sentez peut-être un petit peu rattaché et vous portez le poids d'un fardeau. On vous dit peut-être de vous déconnecter. Il y a un travail de déconnexion karmique peut-être, ou vous, déjà dans votre esprit, le fait d'en prendre conscience et de dire non, je n'en veux pas. Déjà, il y a un travail qui se fait, hein, les amis. Au-delà de soins, moi je fais des soins, mais comme je dis, ça part d'abord de vous. Hein. Les soins, c'est pas boum, on s'occupe de tout, vous faites rien de votre côté, et c'est cool. C'est mentir de dire, enfin, moi je trouve que c'est pas vraiment ça. Il y a vraiment d'abord un travail perso, et le soin vient consolider tout ça et renforcer tout ça. Et vous êtes complètement là-dessus. On vous dit que vous allez pouvoir avoir en réalité. C'est comme si aussi j'entends que il y a des choses que vous portiez, que tout le monde était un peu contre vous, puis finalement tout le monde se rend compte que vous avez raison, en fait. Non, vous n'avez pas raison de m'attaquer. Non, vous n'avez pas raison de me pointer du doigt. Non, je ne rentre pas dans ces communications d'attaque négative. Je vous fais la petite carte supplémentaire, les taureaux. J'avais oublié, il me semble. Donc, on y va. J'ai fait une petite carte message supplémentaire à la fin. Donc, on y va pour vous les taureaux pour cette semaine. Le petit message supplémentaire. On vous parle d'amitié. On vous parle d'être entouré, d'avoir des liens autour de vous et derrière. On vous parle de la richesse de l'amitié, la richesse des personnes autour de vous, des liens que vous allez avoir autour de vous qui vous apportent beaucoup de bonnes choses. On vous parle aussi peut-être d'un appui financier, d'une aide, une personne qui pourrait vous aider dans un projet ou en tout cas à pouvoir avancer. Ça vous montre aussi le lien vis-à-vis de l'argent. Ce peut-être ce besoin peut-être de faire quelque chose en commun, un projet commun dans cette semaine-là. En tout cas, vous êtes entouré et il y a beaucoup d'abondance autour de vous sur cette semaine. Voilà les amis. Donc voilà pour cette semaine, les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner, ça fait plaisir, un petit commentaire aussi. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles. Et n'hésitez pas, je vous ai mis le lien juste sous la description de votre vidéo. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! Face à vous, les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux, que vous avez la forme. Allez, on y va pour cette semaine, les Gémeaux. Donc, du 16 au 22 septembre, quelles sont... Ouh là là, allez. Elles sont... On a les trois directs. Allez, on vous parle d'une situation... Alors, c'est exactement la même que les taureaux. Ici, par contre, on a un changement. En dos de deck, on avait quoi? On a le 3 de Pentacle. On vous parle d'une situation que, dans laquelle vous êtes en train... Alors, c'est pas que vous êtes en train de fuir, les Gémeaux, mais en tous les cas, il y a un besoin de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui est difficile, lourd et pénible pour vous. C'est compliqué, il y a beaucoup d'efforts, il y
y a beaucoup de choses dans lesquelles vous êtes en train de vous investir. Hein. Ça peut être un projet, ça peut être en lien avec d'autres personnes. Et on vous dit que vous faites beaucoup d'efforts pour réussir à quelque chose qui est assez compliqué. Ça met du temps, vous êtes dans une phase où voilà, ça vous coûte beaucoup, mais à côté de ça, vous avez un besoin de passer à autre chose avec ce 6 d'épée. On vous parle aussi d'un besoin peut-être d'être dans le calme. On vous parle aussi peut-être d'un voyage que vous allez devoir entreprendre, peut-être qui vous semble pénible ou au contraire, ça va être votre échappatoire pour enfin souffler par rapport à ce que vous portez. Vraiment. Allez, on y va. On regarde du coup pour cette semaine. Allez, campagne santé. Je vois qu'il est question de bien-être mental. Il y a ce besoin de retrouver de la lumière. Alors, vous êtes peut-être dans le domaine de la santé. Vous êtes peut-être dans un domaine de bien-être. Il est peut-être question aussi, peut-être d'une... J'entends, en fait, ça me montre quelque chose. Je vous dis ce que je vois. De toute façon, à chaque fois, je transmets les messages que je vois et que j'entends. Mais là, pour certains, je vois qu'il est question de quelque chose qui a un rapport avec un enfant. Et j'ai l'impression que c'est soit par rapport à la santé de cet enfant, soit par rapport peut-être à l'école, où il y a quelque chose, en tous les cas, qui a besoin d'être entendu. Donc, je ne sais pas, c'est assez particulier. Donc, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ce message-là. J'ai l'impression qu'il y a un enfant ou une personne qui est un peu en difficulté. Et en fait, du coup, vous allez faire en sorte que ça s'améliore, en fait. Il y a un besoin de faire acter certaines choses, vous voyez. Oh, regardez, ça va se faire, hein, vous inquiétez pas, ça va aller. Mais là, il y a une situation dans laquelle vous vous retrouvez un petit peu face à ça, face à une situation un petit peu de mal-être, voire de mélancolie pour certains, ou en tout cas de blocage. Et là, on voit que vous êtes en train de régler cette problématique. Ça peut être aussi dans un domaine professionnel, hein, vous avez peut-être aussi... Alors, voilà, pour certains, ça touchera forcément, pour certains, un enfant. Et pour d'autres, c'est quelque chose au niveau du professionnel. Je sens que vous avez envie de renouveau. Ça me siffle les oreilles dans les deux en plus. Donc oui, vous avez vraiment besoin d'entendre et de comprendre certaines choses. Vous faites beaucoup d'efforts, mais j'ai l'impression que tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Ou c'est compliqué, vous voyez. C'est dur. Donc soit vous êtes en train de chercher une reconversion pour certains. Soit c'est quelque chose dans lequel vous n'étiez pas assez investi. Et là, du coup, vous remettez les pieds dans l'étrier. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir eu un moment où vous avez un peu décroché et là, vous remettez les pieds dans l'étrier et vous donnez un maximum de chance pour pouvoir y arriver. Et pour certains, si vraiment vous avez tout donné, vous avez une sensation d'échec, vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de tenter quelque chose de mieux parce que pour certains, clairement, vous frisez le burn-out. Vous êtes dedans. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Hop, les Gémeaux sur le professionnel. On a beaucoup de surcharge. La carte du sexe, alors ça peut être bien sûr une relation sentimentale professionnelle, mais la carte du sexe, c'est aussi la surcharge professionnelle. C'est être à nu, c'est se mettre à nu, c'est se donner corps et âme. Et en fait, c'est un peu dans cette situation-là. Je l'ai retenu, on a l'air, bon, mais c'est votre signe de toute façon, les signes d'air. Ça vous montre qu'en tous les cas, vous avez un besoin d'un nouveau souffle et on vous parle d'un cadeau, mais empoisonné. On n'est pas dans le bon sens du cadeau. Ça peut être un cadeau aussi qu'on peut venir vous faire, mais attention à ça, parce que peut-être que quelqu'un attend aussi quelque chose en retour. Attention, peut-être, alors, il est peut-être aussi question d'une rencontre au niveau professionnel, hein, quelqu'un de nouveau... avec qui vous avez une très forte attirance, mais alors soit parce que c'est un supérieur, soit parce que c'est vous le supérieur, soit parce que c'est un collègue, vous vous limitez, vous avez un petit peu peur peut-être de passer un cap. Et pour d'autres, attention au traitement de faveur que quelqu'un n'attend pas quelque chose de vous, voyez, à tout ce qui est malentendu. Vous avez besoin de paix, de tranquillité, vous avez un besoin de sortir de tout ce qui est conflictuel, et surtout, vous devez vous faire entendre par rapport à cette surcharge. Il y a quelque chose qui vous semble vraiment pénible et difficile, les Gémeaux. Donc, du coup, il y a un besoin, voilà, de se libérer au niveau pro.
attention aux offres ou aux cadeaux. Par exemple, vous dire, alors écoute, il n'y a que toi qui peux nous sortir de la problématique, pour être poli, il faut que tu nous aides. Et en fait, vous êtes en train de vous saigner. Et en fait, quel est le... Enfin, pour vous, quel est le côté positif, hormis... j'ai l'impression qu'en plus, en face, ben, du coup, on, voilà, on vous colle les trucs dans le nez, mais est-ce que derrière, il y en a des avantages ? J'ai pas le sentiment que oui, vous voyez. Donc, bon, à voir pour vous. À vous de décider, hein, quoi qu'il en soit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental ? Allez, on vous parle de désir. Alors, il peut y avoir une problématique au niveau intime. Allons-y, hein, vous y allez, hein, on y va. Il peut y avoir une petite problématique sentimentale, peut-être, voilà, au niveau intime, ou peut-être par rapport à la relation. Ça peut que soit il y a un blocage à ce niveau-là, il y a quelque chose qui vient un petit peu compromettre cette relation, soit parce que cette personne que vous fréquentiez venait que pour le côté, voilà, pour la bagatelle, comme on dit poliment. Et donc, du coup, en fait, vous comprenez certaines choses, vous vous sentez utilisé, et donc, du coup, vous allez passer à autre chose, même si ça vous est difficile. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui manque dans votre relation. Il se peut que, par contre, je disais pour ceux qui avaient des nouveaux dans votre entreprise et tout ça, que quelqu'un vous attire très, très fortement. Mais vous craignez les conséquences de cette relation. On a le voyage. Ouais, envie de bouger, hein, ça, c'est sûr. Il se peut aussi qu'il est... Il est question aussi peut-être de rencontrer la personne que vous avez envie. Vous voyez, vous parlez peut-être depuis un certain temps. Il est question aussi peut-être d'aller rencontrer cette personne-là. Et là, on vous parle de démarche administrative. Je vois que là, on a vraiment beaucoup de sons de cloche différents. J'entends beaucoup de messages différents et on a la rigueur. Ouh, le petit diable qui est derrière. Il n'est pas loin celui-là. Il est question de soit faire quelque chose au niveau de l'administration, des papiers, peut-être par rapport à un déménagement, les amis, par rapport à un voyage. Pour certains, ça peut être vivre ensemble, officialiser quelque chose. Pour certains, c'est une séparation que vous êtes en train de régler. Il se peut que vous passez à autre chose vis-à-vis de cette ancienne relation. Vous êtes peut-être en train de, voilà, ce qu'on appelle les relations pansement. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un d'autre pour vous passez cette relation de la tête, ça vous fait peut-être aussi du bien. Vous êtes aussi en train de comprendre et d'analyser, les amis, beaucoup de choses. Ouf là. Et pour certains, vous êtes en pleine séparation et en fait, vous vous libérez d'une relation qui était très, très compliquée et vous prenez beaucoup d'énergie. Alors, on va regarder, j'ai envie de vous faire une petite carte en plus, un petit message supplémentaire. Où on vous parle de victoire face à des accusations, encore une fois. Vous voyez, vous sentez qu'il y a de la jalousie, vous sentez qu'il y a des tensions et de la toxicité sur certaines choses dans votre vie ou autour de ça, autour de cette relation ou au niveau pro, qu'importe. Mais sachez que vous êtes victorieux, d'accord ? Donc, c'est important. Vous allez aller dans cette énergie-là. Donc, voilà, les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire, à liker et vous abonner. Ça fait super plaisir. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon site Les Anges et leurs Perles. C'est toujours avec plaisir, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous, les cancers. J'espère que vous allez bien, les cancers. On y va! Pour votre semaine, quelle est l'énergie qui va vous accompagner donc du 16 au 22 septembre 2024. Allez, on a les trois qui arrivent d'un coup. Ouh, alors on est en mode décisif, les cancers. Vous allez clairement trancher. As d'épée, on a le valet de d'épée aussi. Pardon, j'ai un bug. Et j'ai le cavalier de pentacle. Bon. En dos de deck, on a quoi ? Regardons. On a... Ouh ! Décidément. Le jeu, il a envie de sauter. Ok, on a l'ermite. Ok, bon, bah, super. Vous sortez d'une phase d'introspection,
Vous avez beaucoup réfléchi, les cancers, à pas mal de choses. Vous êtes aussi un petit peu où vous avez été dans l'inaction par rapport à certaines situations. Et là, on vous dit que vous en sortez. On vous parle de renouveau. On vous dit que vous avez envie d'avancer. En tous les cas, voilà, c'est ce qui ressort de cette énergie. On a l'as d'épée. On vous parle d'une histoire, d'une évolution, d'une possibilité de vous affranchir. Et cette envie aussi de pouvoir réussir les choses. J'entends aussi qu'on ne se passe pas de vous, ou en tout cas, quelque chose est en compte sur vous, ou cible certaines choses sur vous. J'entends ça. C'est pas les cartes qui me disent ça, c'est le fait que j'entends des trucs. Et donc, du coup, je sens que vous avez de l'appui du savoir, des connaissances. Et donc, du coup, vous êtes une valeur sûre par rapport aux professionnels ou dans votre vie. Vous avez besoin d'être cette valeur sûre, ou on attend de vous cette valeur sûre. On a le cavalier de Pentacle. On vous dit que vous avez envie d'aller de l'avant pour pouvoir être plus stable. On vous dit qu'il y a beaucoup de travail de votre côté. Il y a, alors, soit un renouveau professionnel dans lequel vous avez beaucoup, beaucoup envie de vous investir. Vous allez prendre des décisions assez rapides. Vous êtes, décisif, vous êtes vif. Et cancer cette semaine, on vous dit de choper la balle au bon et choper la balle au vol. Donc, il y a vraiment ce truc où vous avez envie d'aller de l'avant, d'être confiant. Vous allez avoir les outils, vous avez les connaissances, hein, par contre. Hein, que ce soit autant matériel que mental, il y a des connaissances que vous avez qui ressortent. Et du coup, vous avez envie de ce renouveau, vous avez envie de ce succès. Vous travaillez pour ça, en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? On va mélanger un petit peu. Allez. Hop, hop, hop. Allez, sur le général pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour cette semaine? Allez, on a les trois. On a les plaisirs, les pénates et la passion. On vous dit qu'il y a besoin d'avancer, d'évoluer, de pouvoir vivre pleinement de ses plaisirs et de sa passion. Il y a une relation passionnelle dans laquelle vous devez passer aussi un cap important. Vous allez prendre des décisions importantes, les cancers, sur le plan sentimental. On vous parle d'une élévation. On vous dit d'avancer, d'évoluer sur ce plan sentimental. Vous avez envie de vivre une relation intense et vous êtes en train de vivre cette relation. Il y a beaucoup d'apaisement dans votre jeu tout en étant dans l'action. Je vois aussi qu'il est question peut-être de faire quelque chose dans lequel vous vous sentez investi. Ça doit avoir une forme de résonance pour vous. Peut-être que vous étiez dans un travail ou dans une situation qui manquait de profondeur. Et là, je sens que vous avez envie de vous sentir important ou de faire quelque chose qui vous semble important, dans lequel il y a de la résonance. J'entends ça. Vous allez prendre aussi une décision importante par rapport au foyer et par rapport à la maison. Je vois qu'il est question aussi peut-être de faire certaines choses plutôt importantes. Attention au commérage par contre. Ça peut être le voisinage, ça peut être des personnes autour du foyer, de la maison, ça peut être les gens de votre famille. Je sens qu'il y a du commérage, ça piapiaille par contre, hein, ça parle un petit peu autour. On va aller regarder ça un peu après, mais bon, vous, quoi qu'il en soit, vous avancez, hein, vous ne perdez pas de temps à ça. Hein. On verra dans le sentimental, parce que ça mélange bien sûr la famille aussi, etc. Allez, au niveau professionnel, on vous parle de punaise. Ouais, vous voyez, vous cherchez le sens de la réussite. Vous cherchez la reconnaissance. Vous cherchez cette semaine un besoin d'être pris à sa juste valeur, les amis. On parle d'une femme en particulier qui tient les rênes et qui gère beaucoup d'informations. Il y a quelque chose que vous avez envie d'entreprendre, hein, de nouveau, mais c'est très très lent. Il y a quelque chose qui est ralenti. C'est une graine, mais qui pousse lentement. Vous avez aussi peut-être des choses à régler par rapport à une maison, par rapport à un foyer.
et on vous dit que vous avez certaines petites choses qui viennent un petit peu ralentir cette évolution, mais quoi qu'il en soit, on a l'élévation, quoi qu'il en soit, vous allez prendre des décisions. Attention au commérage, attention aux personnes qui cherchent vos échecs, des personnes qui ne veulent pas de votre réussite autour de vous. Donc, qui cherchent à vous piquer, qui cherchent à vous renvoyer les choses sur vous, qui cherchent aussi peut-être à vous voler certaines connaissances, peut-être certains savoirs, je vais y arriver. savoir, connaissance. Vous avez aussi un besoin de vous couper aussi de tout ce qui est négatif et toxique, les piques, les méchantes personnes, tout ce qui se colporte, etc. On vous dit qu'il y a une situation qui avance lentement, mais la graine est plantée, donc ça évolue lentement, mais sûrement. C'est pas grave que la graine est à l'envers, c'est juste que ça vous dit que ça mettra un peu plus de temps. Il y a besoin de faire évoluer les choses et que la réussite, elle va venir parce que vous y êtes dessus. Mais pour certains, vous avez vraiment des ralentissements dans votre professionnel où on cherche en tous les cas à vous ralentir. Allez, au niveau sentimental, les cancers, vous avez l'impression de gérer trop de choses. Allez, on vous parle d'une fin, peut-être pour certains, de relation. En tout cas, la fin d'une... Ouais, il y a une tristesse par rapport à une fin de relation pour certains. Et les loisirs. Ok, bon. En dos de deck, on a le souhait. On vous parle d'une situation pour certains. Alors attention, j'entends plusieurs choses. Soit vous vous libérez d'une relation dans laquelle vous n'aviez pas envie d'avancer ou de vous investir. Ou c'était cette personne qui n'avait pas envie d'avancer. On vous parle d'une situation qui est difficile, sur le coup, à encaisser. Mais on vous parle d'une libération par la suite, voire d'une nouvelle relation qui va démarrer. Vous êtes peut-être en triangulaire également, hein, c'est-à-dire que vous devez clôturer la fin d'une relation pour pouvoir vivre une passion avec une autre personne que vous avez rencontrée et qui vous apporte beaucoup d'attirance. Voilà, il se passe quelque chose d'assez enflammé. Donc, soit vous êtes sur deux tableaux, soit parce que cette relation, ben, elle ne vous correspond pas et vous cherchez cette personne-là. Il peut y avoir aussi des personnes qui cherchent à vous nuire dans votre relation, qui font tout pour souhaitent vous séparer, vraiment. Donc, on vous dit que bon, vous vivez votre relation et vous vous moquez éperdument de ce que les autres penseront de vous. Même si ça avance lentement, vous avancez, quoi qu'il en soit. Ça vous parle aussi peut-être d'une personne, d'une tierce ou d'une triangulaire. Quelque chose qui vient un petit peu comme ça vous pénaliser, j'entends. Si cette personne, vous êtes en pleine séparation, vous allez vous relever de cette relation, même si aujourd'hui peut-être c'est compliqué et difficile. Ça peut être un ex aussi ou une ex qui revient. Mais en tous les cas, c'est une étape compliquée, c'est un petit peu difficile parce que ben, y a cette tristesse. Parce que peut-être que vous allez être espanté du comportement de cette personne. Vous allez dire, mais c'est quoi ? Je la connais pas, je le connais pas. Mais en même temps, ça vous montre aussi que cette relation peut-être n'était pas... elle était vraiment en fait. Et donc du coup, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes beaucoup plus dans l'intensité. Si dans votre relation tout va bien, c'est autour de vous, il se passe des choses contre vous ou vous avez la sensation tout se joue contre vous. Vous, quoi qu'il en soit, vous vivez votre relation intensément, tout va bien. On regarde une petite carte supplémentaire. On vous parle de la réunion. Il y a besoin de parler, de discuter. Surtout, je sens sur le plan professionnel. Hein, par contre, vous avez la victoire face aux accusations. Je vois qu'il y a quelque chose dans lequel vous allez être victorieux si vous êtes dans des procédures. Et on vous dit que cette communication va vous aider à lever le doute. Ça va vous permettre, ça peut être des entretiens, ça peut être un échange, quoi qu'il en soit. Et je vois que cette démarche, elle va vous aider à aller de l'avant et à avoir cette victoire. Mais vous devez... Pardon, j'ai le OK. Vous devez passer ce message-là, en tous les cas. Vous devez être entendu. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, à liker et vous abonner, ça fait toujours très 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 plaisir. Et bien sûr si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon lien juste sous votre vidéo, les anges et leurs perles, donc en descriptif le lien si cela vous intéresse.
Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien bien soin de vous. Bye bye! On passe à vous les lions. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine. Qu'est-ce que je vois pour cette semaine du 16 au 22? Allez, quelle est l'énergie pour vous sur cette semaine, les taureaux? Semaine du 16 au 22. Quelle est l'énergie? Allez, on a la reine de Pentacles. On vous parle d'une femme surposée. Ouh, la reine de coupe. On vous montre deux femmes posées. Donc, ça peut être deux femmes. Ça peut être vous aussi. Ça peut être vos propres énergies. On vous parle d'une personne, en tout cas plutôt féminine, bien sûr, qui fait preuve de sensibilité, qui a beaucoup de... J'entends parler d'empathie, les lions. Peut-être un besoin aussi de se ressourcer. Pas mal de petites préoccupations sur le plan financier. Rien de bien méchant, mais on voit que, ouais, voilà, avec ce roi de bâton, il y a des choses que vous êtes en train de planifier, les lions, et vous êtes en train de réfléchir. Ça vous montre que vous êtes en train de faire certains projets. Vous êtes en train de pouvoir vous stabiliser sur le plan professionnel, sur le plan économique et sur une stabilité matérielle. Vous travaillez dur, vous avez travaillé dur pour pouvoir arriver à cette aisance ou en tout cas ce rapport stable dans votre vie. Vous pouvez aussi être beaucoup plus stable sur le plan émotionnel. La reine de coupe, c'est quelqu'un de douce, de féminine, de des fois un petit peu de déconnecter par rapport aux autres. Peut-être qu'il se sent un petit peu en marge par rapport à ça. En tout cas, vous êtes peut-être plus dans l'écoute d'une certaine sensibilité aux autres. Et on vous parle aussi de tout ce qui est travail au niveau esthétique. Et avec ce roi de bâton, alors le roi de bâton, on est sur quelqu'un de plus dirigeant un petit peu. Alors ça peut vous parler d'une personne qui est très optimiste, qui peut être très confiant, qui parle très très bien, ça peut être un sportif, ça peut être supérieur hiérarchique. Mais attention, ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir aussi beaucoup d'ego. Donc on vous parle peut-être personne en face de vous, peut-être qui peut faire preuve un petit peu de d'ego ou peut-être quelque chose dans lequel vous avez peut-être un travail là-dessus à avoir. Et on vous dit aussi de rester aussi optimiste ce que vous êtes en train d'entreprendre sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On mélange cette semaine, donc du 16 au 22. Allez, c'est parti, du 16 au 22. Les lions, allez, on a les trois. Allez. Alors, il y a une situation dans laquelle vous sentez bloqué, emprisonné, et il y a un manque d'action. Et on vous dit que les choses vont s'améliorer. Il y a une main tendue, il y a une situation qui va s'améliorer. On a deux fois Jupiter, famille, qui est une excellente, excellente carte. Et carte, enfin, une planète, j'ai plutôt envie de vous dire, parce qu'on n'est pas sur une carte. Mais c'est sur la carte. Et donc, on vous parle d'une élévation par rapport à ça. Vous sortez d'une situation qui était peut-être un petit peu contraignante, dans laquelle vous vous sentiez un petit peu bloqué. Et on vous parle d'une chance qui va vous être accordée. Parce que vous avez des valeurs, parce que vous avez aussi un potentiel. Alors, peut-être que justement, c'était sur le plan matériel que vous vous inquiétez un peu, sur votre sécurité financière et matérielle. Et on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, que les choses sont bien gérées. Et on voit que vous avez une possibilité de bonheur pour vous. En dos de deck, on a les plaisirs. Donc, on vous dit que vous allez faire ce qui vous fait du bien. Il y a une envie de retrouver l'envie de faire les choses. Et je vois aussi pour certains de nouvelles rencontres. On regarde de côté professionnel ce que l'on voit. Alors, au niveau pro, on mélange aussi les lions. Il y a peut-être une rencontre aussi, hein, nouvelle, hein, sur le plan sentimental, là. Ça me le répète. On vous parle de la santé. Alors, est-ce que c'est des petites choses au niveau de la santé qui vous freinent? Est-ce que c'est quelque chose au niveau de la santé? Ça peut être physique, mais ça peut être moral. Ça vous dit que vous êtes à l'écoute autour de vous. Les gens vous entendent, vous écoutent.
Et on a le caméléon avec la mort. On vous parle d'adaptation. Il y a une situation dans laquelle vous vous adaptez. On vous dit que vous entendez les choses. Du coup, vous vous adaptez. Et ce qui fait que ça permet un changement. Il y a une connexion qui est coupée. On a la prise déconnectée. Ça vous parle d'une situation professionnelle dans laquelle vous étiez peut-être déconnecté ou en arrêt de quelque chose. Et on vous dit que vous allez vous adapter. Il y a une nouvelle organisation ici qui se met en place. Il va y avoir un avant et un après. On vous dit que vous êtes aussi à l'écoute d'une certaine sensibilité, de créativité, les amis. Et du coup, je vois que vous êtes en train de vous épanouir. Il y a un besoin de s'épanouir ou en tous les cas, il y a un besoin de s'adapter à certains changements cette semaine-là en particulier. Il peut y avoir aussi, j'entends, des bugs au niveau des connexions Internet, électricité, quelque chose ici qui pourrait un petit peu vous agacer. Mais bon, peut-être c'est des dépenses un petit peu inattendues. J'espère pas hein, pour vous, mais ça peut. Donc, on vous dit que vous allez devoir vous adapter par rapport peut-être à des petits changements. On regarde votre sentimental. Alors, pour le sentimental... On vous parle de méditation, d'amitié. Allez. Il y a un besoin en tous les cas de lâcher prise, hein, les amis, et d'intuition. Il y a besoin d'être beaucoup plus connecté et d'être plus à l'écoute d'une certaine sensibilité. Alors, on vous parle d'automne, en dos de deck. Bon, on y va, hein, on va dans l'automne, hein, tout doucement. Avec les températures qu'on a actuellement, j'ai envie de vous dire, on se croirait presque. Où est l'été? Voilà. Je vois qu'il y a une situation, les lions, peut-être avec une personne autour de vous, avec qui vous ressentez une très forte connexion. Ça peut être aussi un besoin de se confier, les lions, à une personne importante qui sera à votre écoute. Ça peut être une personne douce, ça peut être une personne connectée, ça peut être vous dans vos propres analyses, les lions. Vous avez un besoin de vous écouter. On vous dit que vous êtes soutenu sur cette semaine et vous faites beaucoup plus de calme dans votre vie personnelle. Il y a une situation qui vous prenait beaucoup d'énergie et on vous parle d'une personne aussi qui vous aide. Si vous êtes en burn-out professionnel ou une problématique professionnelle, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vous apaiser à ce niveau-là et vous avez envie de calme et de détente pour cette semaine-là. Et on vous parle d'une écoute importante sur le plan sentimental et amical. On vous parle de fidélité aussi. Vous avez envie de vous engager, d'avoir quelqu'un à vos côtés, de pouvoir peut-être officialiser une relation, vous lancer dans une relation. D'être peut-être plus attentionné, plus à l'écoute d'une personne, ou c'est cette personne qui est plus à l'écoute de vous. Et cette personne comprend aussi peut-être que si elle ne fait pas d'efforts, qu'elle reste sur de l'ego, elle pourrait vous perdre. Donc, il y a une adaptation. S'il y a des choses à se dire sur cette semaine, ça serait la bonne semaine. Parce que, du coup, ça permettrait de justement revenir un petit peu sur les fondements de la relation. Et cette personne n'a pas envie pour certains de vous perdre, hein. Pas du tout. Et on voit que cette personne va s'adapter pour éviter de vous perdre parce que cette personne vous aime vraiment. Si elle ne veut pas faire d'efforts, si elle n'a pas envie d'avancer, elle vous perdra ou il vous perdra, qu'importe. Voilà, je vous fais votre petite carte supplémentaire. J'avais envie de faire une petite carte supplémentaire, donc on y va. On vous parle de clairvoyance. Les lions, et on vous dit de voir clair dans une situation. Les choses vont s'éclaircir par rapport à un verdict. Et on vous montre que clairement, clairement les choses vont se révéler en fait. Il y a des choses qui se révèlent, vous voyez beaucoup plus clair. Vous attendez peut-être aussi certaines réponses à certaines questions que vous avez. On vous parle de la clairvoyance. Alors bien sûr, la clairvoyance, ça peut être aller voir quelqu'un de clairvoyant, mais ça peut être aussi tout simplement vous qui voyez plus clair dans une situation à la suite d'un verdict. Et la vérité aussi, j'entends que la vérité s'éclaircit. Donc vous allez voir les choses comme elles doivent réellement être vues. Donc voilà les amis.
Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça me soutient beaucoup. Et bien sûr, si vous avez envie d'une guidance privée, les lions, avec plaisir. Retrouvez mon site Les Anges et leurs Perles, je vous ai mis le lien directement sous la vidéo pour que ce soit plus facile. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez en tous les cas le besoin. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye! On passe à vous, les Vierges. J'espère que vous allez bien, les Vierges. On y va, on regarde votre semaine, donc du 16 au 22. Quelle est l'information pour vous? Ouh! Deux de coupe. On vous parle d'amour, on vous parle de romantisme. En tous les cas, on vous parle de votre moitié. Pour certains, c'est peut-être que vous êtes en train de rencontrer une personne, une nouvelle personne. En tous les cas, on vous parle d'un binôme. Passer un moment d'harmonie, de connexion intense. Pour certains, c'est un engagement, un mariage, la concrétisation d'une relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre encore? On a le 3 d'épée. Alors, il y a cette sensation, j'entends que pour certains, il y a eu un chagrin, une rupture, soit parce que c'est la personne que vous aimiez et il y a cette rupture qui est là, il y a cette situation qui s'est terminée ou en tout cas il y a une perturbation dans cette relation. Et on a le roi de coupe. On vous parle de quelqu'un, les Vierges, qui est quand même quelqu'un de posé, quelqu'un de sûr, quelqu'un qui donne envie de s'investir, à quelqu'un quand même de sensible. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Vous êtes à la recherche de cette relation ou vous y êtes dedans ou il y a une séparation. Et donc, du coup, c'est compliqué pour vous parce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes extrêmement connecté. Ça peut être aussi un partenariat, bien sûr, si on sort du cadre sentimental. On a aussi peut-être une situation ou un collaborateur ou une situation professionnelle avec qui il y a eu une cassure, une coupure, alors que pourtant, on a ce roi de coupe et tout va bien. Cette personne montrait que tout allait bien et était peut-être dans cette vibration de s'investir. En tout cas, vous, vous étiez dans cette attente de vous investir. Hein, ça, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Pour certains, il y a... Pardon, il y a cette cassure. Allez, renouveau, honneur. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Et l'homme. Donc c'est bien un homme, hein, ce roi de coupe, on est d'accord. Et le départ. Vous avez envie pour certains d'une relation. Vous êtes beaucoup basé sur les relations sur cette semaine. L'envie de enfin passer à autre chose. Soit parce que vous attendiez cette rupture pour pouvoir vivre une nouvelle relation ou vivre une relation avec beaucoup d'intensité. Du coup, cette personne se montre beaucoup plus avenant, peut complètement se montrer avec un potentiel vraiment bien. Donc, c'est un nouveau départ pour vous. Il est peut-être question aussi d'un changement, d'un déménagement, d'une rencontre aussi, d'un déplacement vers une personne importante. Vous avez un besoin, en tous les cas, d'être aimé à votre juste valeur. Ça vous montre aussi qu'il y a certaines choses qui ont été plus difficiles ces derniers temps. Donc, des points de non-retour, j'entends. Et je vois que vous avez besoin que cette personne soit autant, vous aime autant, en fait, et le montre, en fait. Vous avez un besoin d'authenticité dans cette relation-là. Pour certains, il y a une nouvelle personne. C'est à la suite d'une séparation, d'une rupture. Vous êtes en train, pour certains célibataires, de rencontrer une personne, ou en tout cas, il y a une personne visiblement qui vous plaît beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'atouts pour vous et qui est très, très rassurant. Dans votre relation sentimentale, si tout va bien, vous n'êtes pas dans la rupture, ça vous montre que vous avez de nouveaux projets. Vous avez peut-être envie de bouger, déménager, faire des projets ensemble. Ça sera un moment important pour vous. Et donc, on vous dit que comme les choses sont actées et que cette relation, elle est plutôt bien engagée, on vous montre que cette personne-là répond à vos besoins, à vos critères, etc. En tout cas, vous êtes dans l'attente de cette relation si vous êtes là-dedans.
On va regarder au niveau professionnel. Je vois aussi quelqu'un au niveau pro qui pourrait vous proposer un nouveau contrat ou un nouveau poste. Ça peut être un entretien. Vous avez peut-être aussi envie de partir au niveau professionnel. Ça me parle d'un entretien. Ouais, il y a quelqu'un qui voudrait s'engager. Il y a une possibilité de s'engager, d'être dans de l'apaisement au niveau professionnel. Elle reste dans mes mains. Ouais, il y avait une surcharge ou un ennui pour vous. Il y avait une sensation de surcharge. Et on voit que vous avez vraiment une possibilité pour vous de pouvoir vous engager ailleurs. Vous retrouvez, pour moi, vous partez pour pouvoir retrouver quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. En tous les cas, il y a un départ autour de vous. Si ce n'est pas vous, ça peut être des personnes autour de vous, dans votre pro, qui partent. Et donc, du coup, ça montre que du coup, vous retrouvez une forme d'apaisement. Attention à la surcharge de travail, d'accord? À ce qu'on ne compte pas toujours sur vous, parce que du coup, vous allez couler sous tous le travail que vous allez avoir. Vous êtes peut-être la personne sur qui on peut compter, mais attention, parce que du coup, c'est un peu lourd. Et il y a ce côté lumineux. Il y a la lumière qui ressort. Donc, il y a vraiment des solutions. Il y a une situation, en tous les cas, qui va s'améliorer. Vous n'allez pas rester là-dessus. Il peut y avoir une personne aussi qui peut vous aider à traverser une complication. C'est le roi de coupe qui positionne, qui est aidant. C'est quelqu'un qui est aidant à vos côtés et qui pourrait vous aider à surmonter certaines difficultés ou certains ennuis, entre guillemets. Au niveau sentimental, les vierges, vous êtes dans la motivation. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie d'aller sur cette nouvelle relation pour certains, et on vous dit que vous avez de nouveaux projets pour les couples. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il peut y avoir, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, attendez, j'en ai trop, j'en veux pas autant. J'entendais ici qu'il peut y avoir aussi un malaise vis-à-vis d'une personne autour de vous. Ça peut être dans la famille, j'entends. Peut-être que vous faites des efforts pour un enfant ou vis-à-vis de personnes autour de vous avec qui c'est peut-être un peu compliqué. On a le désir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour certains, vous n'avez pas du tout les mêmes attentes. Hein. Pas du tout. Pour les séparations, vous partez parce que vous n'avez pas les mêmes attentes. Cette personne veut que le bon côté, mais pas s'engager. Donc vous, vous avez besoin de quelqu'un qui s'engage à vos côtés. Vous voyez, le serpent, la manipulation. Vous sortez d'une personne toxique qui cherchait vraiment à vous manipuler, à vous faire du tort et du mal. Et donc, pour moi, il y a un départ suite à ça. La personne toxique, elle peut être aussi dans les enfants ou autour, la belle famille ou autre. Même si vous faites des efforts pour essayer d'arranger la situation, j'ai l'impression que cette personne reste malsaine et restera malsaine. Ça peut aussi vous toucher par rapport à des enfants, donc ça peut être dans une séparation, un divorce. Cette personne essaye de se manipuler à la suite de ce départ. Peut-être que cette personne essaye de rallier les gens à sa cause et donc à vous faire passer pour le méchant ou la méchante. Donc après, les gens savent qui vous êtes, quoi qu'il en soit. Et je sens quelqu'un qui est un peu submergé aussi par les pas mal de choses, quelqu'un qui se sent un petit peu débordé et qui a du mal à concevoir certaines choses. Il se peut aussi qu'il y ait certaines problématiques liées à... Enfin, ce n'est pas une problématique, mais ça va vous demander de l'effort dans une relation, peut-être par rapport à une grossesse ou à un désir d'enfant. Et ça va vous demander peut-être de l'aide à ce niveau-là. Je sens que vous avez un besoin de trouver quelqu'un qui a les mêmes attentes, les mêmes valeurs que vous. Ça, c'est très, très important. Et surtout, vous sortez d'une manipulation toxique. Il y a quelqu'un qui essaye de faire des efforts, mais attention. Vous savez que cette personne n'est pas totalement fiable. Alors, on regarde la petite carte supplémentaire, le petit message en plus. On vous dit de voir clair et on a la natalité encore une fois. Donc, avec la conception, on est sur les enfants. Et ici, c'était la carte de la natalité. Donc, elle revient ici avec la naissance. On a la conception, la naissance et l'enfant. On vous parle de chronologie déjà. Et on vous dit de voir clair dans une situation. Ça peut être en lien avec les enfants, ça peut être en lien avec du renouveau dans votre vie.
avec de nouveaux projets, mais vous devez savoir où vous allez, dans quoi vous vous engagez, et vous avez besoin aussi de réponses claires par rapport à ces attentes-là. Vous, vous savez où vous voulez aller, vous savez que vous êtes dans cette naissance ou cette renaissance, mais vous avez besoin de savoir exactement où vous vous situez par rapport à cette relation ou ce pro, ou par rapport à des enfants autour de vous, à une vie sentimentale. Vous allez sortir de cette manipulation, ce qui va vous donner un nouveau souffle. Si vous réglez une séparation ou une problématique professionnelle, vous êtes enfin sur, vous allez accéder à quelque chose qui sera beaucoup plus limpide parce que vous aurez pris conscience de certaines choses. Donc voilà les vierges, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, à liker et vous abonner, ça me soutient beaucoup. Et puis bien sûr, si vous avez envie d'une séance avec moi privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Donc, n'hésitez pas. Moi, je me fais un grand plaisir pour vous aider. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très, très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous, les balances. J'espère que vous allez bien. On y va. On regarde votre semaine du 16 au 22 septembre. Les balances, quelle est l'énergie pour vous sur cette semaine? Allez, on vous parle du 5 d'épée et de la reine de coupe. On vous parle un petit peu de peur, de médisance. Avec ce 5 d'épée, on vous parle de décision, on vous parle de certaines choses qui se préoccupent, certaines choses aussi dans lesquelles vous êtes dans des conflits. Et il y a un manque de peut-être d'honnêteté ou d'expérience à vivre. Et je ressens aussi avec ce 5 d'avoir peur de l'échec. Pourtant, on vous parle de beaucoup de douceur. On vous parle d'une situation dans laquelle vous faites preuve de sérénité. On vous montre un appui aussi autour de vous, d'une personne douce et aimante, face à des personnes qui sont beaucoup plus toxiques. On a la lune, on vous parle de face cachée. On vous parle d'intuition, on vous parle de ressenti, les balances. Et on vous dit peut-être que certaines personnes parlent contre vous, ou vous avez peur de certaines peurs, enfin, peur. Vous craignez certaines choses ou ce que vous pourriez entendre. Donc, on vous dit que pour l'instant, vous êtes dans des émotions plutôt intérieures et plutôt cachées. D'ailleurs, ce qui suivait, c'était la 9 d'épée. Donc, vous pourrez en silence, vous gardez les choses un petit peu pour vous. Alors, il y a un appui autour de vous, c'est cette reine de coupe qui apporte beaucoup de lumière à votre jeu. Alors, on y va, on mélange un petit peu. Allez, pour cette semaine, les balances. L'union, la fatalité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une cassure, un départ pour certains. Ça peut être un départ un petit peu tristounette. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Il y a un nouveau départ pour vous. Alors, ça peut être un départ malheureusement aussi avec la fatalité d'une personne qui n'est plus autour de vous. Donc, il y a un travail à faire et parce que c'est long, c'est compliqué, un travail de deuil pour pouvoir avancer. Vous avez l'impression en plus que c'est difficile de vous ouvrir aux autres, etc. Pour certains, il y a un travail sur certaines choses qui vous bloquent. Et il y a certains projets que vous avez envie de mettre en pratique où il y a une nouvelle élévation et qui vous emmène à un nouveau départ. Donc c'est plutôt, il y a des choses quand même malgré tout qui sont positives. Vous pensez aussi stopper peut-être certaines choses professionnelles ou dans lesquelles vous avez peut-être envie de faire les choses autrement ou de faire évoluer quelque chose sur le plan professionnel. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore ? On vous parle d'un coup de pouce sur la santé, sur le bien-être. Pour certains, ça peut être des burn-out. On vous parle d'une femme, d'une jeune femme. Donc, c'est bien une femme qui vient face à vous, les balances. Une personne qui pourrait venir vous aider. Et on vous parle d'adaptation avec le joli caméléon. Je regardais s'il n'y en avait pas d'autres, mais non. En dos de deck, on a le miroir. On vous parle qu'il y a un travail sur l'honnêteté, la transparence, et il y a un nouveau départ. C'est l'image de soi, c'est quelque chose qui est en rapport avec ce qu'on est et ce qu'on on reçoit. Il y a un besoin d'authenticité et de vérité. Ça peut être un domaine de travail, hein, la santé pour vous. C'est peut-être quelque chose qui vous passionne, quelque chose dans lequel vous avez envie de vous engager. Ça peut être une problématique aussi pour certains vis-à-vis de votre professionnel. Donc, ça peut être
un besoin de comment dire, parler pour certains de burn-out ou autre, il y a quelque chose peut-être à travailler par rapport à ça, dans lequel vous avez peut-être envie de vous engager ou de changer de voie. Il y a un travail personnel qui est engagé hein, avec la lune et le caméléon. Il y a un temps d'adaptation par rapport à certains projets que vous avez envie de faire. Certains projets, d'ailleurs, je vous conseillerais de les garder pour vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais quoique avec le 5 d'épée, on ne sait jamais. Il y a peut-être des gens qui sont malhonnêtes aussi dans leur manière d'être autour de vous. Et ça me montre aussi quelqu'un qui doit se trouver, qui se cherche un petit peu dans sa vie professionnelle et dans sa sphère professionnelle. Il y a un besoin en tous les cas d'être, vous êtes le reflet de vous-même et vous avez un besoin de retrouver quelque chose dans lequel vous pouvez aussi vous refléter. C'est important, vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin des balances de quelque chose dans lequel vous avez vraiment ce sentiment d'appartenance ou en tout cas, voilà, besoin de trouver sa place. Attention à tout ce qui est répétitif, par contre, au niveau professionnel, ça peut être aussi une forme de mimétisme. Attention à ce que quelqu'un ne répète pas ce que vous êtes en train de faire ou vous pas dans une boucle de répétition, par contre. On regarde votre sentimental. On va mélanger un petit peu. Pour vous, les balances. Hop là. Sur votre sentimental. Pour vous, les balances. Elle s'est retournée. Elle est là. Le sentimental. On vous parle de projet. D'un projet peut-être qui fait parler. Un projet dans lequel vous avez envie de vous sentir bien, connecté. Un projet avec l'amitié. Des projets amicaux. Peut-être une envie de vous rapprocher d'une personne avec qui il y a eu de l'éloignement. Vous avez peut-être coupé aussi les balances avec une personne connectée ou une personne importante. Ça peut être en lien bien sûr à l'amitié, mais ça peut être aussi familial ou sentimental, quel qu'il en soit. Et vous êtes un peu perdu à la suite de ça. Il y a un projet à travailler là-dessus. Il y a une femme encore hein, qui ressort. Là, je veux dire, il y a un moment donné, bon, il y a une femme qui va vous aider, hein, quoi qu'il en soit. Qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Il y a des petites questions autour des gens qui vous entourent. Vous avez des projets, mais pour l'instant, vous avez beaucoup de méfiance, soit parce que vous craignez que les gens vous veulent du mal, ou que vous craignez peut-être que quelque chose vient vous bloquer, mais on voit que vous avez un besoin de faire un travail sur tout ce qui est émotionnel, vous êtes un peu dans le brouillard, donc ça vous conseillerait un travail personnel, ou en tout cas quelque chose dans lequel vous vous sentez beaucoup plus apaisé, parce que vos émotions c'est la lune, et vous avez aussi ce besoin de pouvoir, alors après bien sûr ça peut être la tromperie, hein, ça peut être des choses beaucoup plus négatives la lune. Ça peut être quelqu'un qui paraît très gentil en apparence et dessous, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce que la personne prétend être. Donc, peut-être qu'elle brouille les pistes. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'authenticité. Donc, vous êtes à la recherche de cette authenticité et vous êtes à la recherche de cette sérénité intérieure. On fait la petite carte supplémentaire. J'avais envie de vous en faire une en plus. Les balances, la famille présente, et des choses que vous réglez au niveau de la loi. Pour certains, vous êtes en pleine procédure aussi. Hein. Vous réglez aussi quelque chose, soit en lien à la santé d'une personne, soit en lien à un départ de cette personne-là. Ça peut être un héritage, ça peut être aussi des décisions à prendre pour une autre personne de votre famille. Il y a tout un travail, en tout cas, il y a vraiment de l'appui, il y a un équilibre aussi qui se fait pour vous sur le plan familial. Il y a des décisions aussi peut-être voilà, par rapport à la santé ou par rapport à certains projets que vous allez faire. La loi vient chez vous, vient rééquilibrer. Vous êtes un signe de... Vous êtes balance, donc vous êtes un signe de loi. C'est pour ça que vous détestez l'injustice. Les balances, c'est un truc, c'est impossible. Si on veut vous faire péter un plomb, il suffit juste voilà, de rentrer là-dessus. Et là, vous brillez instantanément, c'est plus fort que vous. Donc, il y a vraiment quelque chose, voilà, il y a un besoin de régler certaines choses.
la famille vient faire l'apaisement ou c'est avec la famille que vous êtes en train de régler certaines choses. Et du coup, automatiquement, vous allez pouvoir être beaucoup plus léger parce que vous réglez quelque chose. Vous réglez une situation qui était peut-être un peu pesante et difficile. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles et je vous ai mis le lien direct sous la vidéo. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien, les scorpions. On y va. On regarde votre semaine du 16 au 22. Allez, on y va pour vous. Les scorpions, qu'est-ce que je vois pour votre semaine? Allez, c'est parti. 4 de bâton. Allez, on vous parle de joie, de festivité, de quelque chose dans lequel vous avez envie de fêter. Il y a comme un engouement. Ah, ok. Alors, on a le pendu. Ok. Et vous attendez quelque chose là. Vous êtes sur le suspens. Vous avez hâte, j'entends, de fêter quelque chose là. Ouais. Fermez la bouche à celles qui sont négatives. Là, il y a une situation. On a le 5 d'épée. On a une situation ici qui nous montre qu'il y a certaines personnes peut-être qui essayaient de vous bloquer. Et j'ai l'impression que ces personnes vont avoir un retour de karma ou en tout cas ne pourront pas obtenir ce qu'elles veulent. On a le pendu. Alors, on vous parle d'une situation qui est pour l'instant suspendue, un petit peu bloquée. Et le pendu aussi vous donne aussi une information de point de vue. Et on vous dit peut-être aussi les questions d'un changement d'état d'esprit, un changement d'opinion, un changement d'angle de vue. Et on vous dit aussi que les choses peut-être vont changer par rapport à ça. Peut-être que certaines choses se révèlent en fait, vous voyez, comme si pour l'instant, ben, quelqu'un passait pour quelque chose de gentil, une personne gentille ou une situation gentille, et puis finalement, ben, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, vous êtes avec ce 4 de bâton, vous êtes, voilà. C'est pas, oui, si quelque part vous êtes content et vous vous réjouissez que les choses se débloquent, ou en tout cas que ça, c'est pris en compte en fait, clairement. Il y a vraiment deux salles, deux ambiances, vous voyez? Voyez le délire. Alors, il y a certaines personnes, en tout cas, voilà, qui essayent de nuire ou qui essayent de vous embêter. Après, vous avez l'habitude, hein, à chaque fois, en tout cas, avec moi, vous avez tout le temps la méchanceté ou la jalousie. Ben, bon, on sait que de toute façon, il y a toujours ces 5 d'épée là, ces personnes médisantes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, bon, mais voilà. Hein. Vous voyez, le cloître, on est complètement dans l'énergie. Hein, complètement. Il y a une sensation où vous étiez emprisonné, bloqué. Il y avait vraiment quelque chose à acter. C'est important pour vous. Oh, là, il y a de l'appui qui vient vous seconder face à des personnes malhonnêtes. Et on a la maladie. Il y a une situation, on est dans les oiseaux aussi, hein. On a le vautour, on a l'aigle. Bon, c'est plus sympa l'aigle quand même. On vous parlait d'une situation dans laquelle c'était un petit peu bloqué, les scorpions, ça peut vous parler même voire d'hospitalisation pour certains, mais rien de grave, attention. Une situation qui était peut-être à prendre en compte, ça pouvait être des petits examens, des petites choses comme ça. Ça peut vous concerner à vous ou une personne autour de vous. Et on vous dit que vous avez l'appui par rapport à cette personne-là. On vous dit que vous allez vraiment, enfin, il y a vraiment quelque chose au niveau familial et au niveau de la joie, il y a un triomphe, il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez beaucoup plus dans l'épanouissement, les scorpions, sur cette semaine. Parce que vous avez de l'appui, parce que vous réglez quelque chose qui était peut-être compliqué, peut-être parce que vous étiez bloqué et qu'au final, d'un coup, ça se décante, vous voyez? Vous étiez peut-être bloqué par rapport à une situation de maladie ou d'accident de travail, de burn-out ou une situation quelle qu'elle soit, d'accord? Ou de méchanceté, etc., que vous aviez autour de vous. Et là, en fait, quand vous avez l'appui, mais boum, ça décante et vous sortez de ce cloître. Donc ça, c'est parfait. C'est ce qu'on aime bien. Alors, en tout cas, vous attendez que les choses bougent pour justement vous permettre d'accéder à ce triomphe. On voit qu'il y a pas mal d'appui, de support d'appui autour de vous. Au niveau professionnel, vous êtes un petit peu partout à la fois. Vous êtes un peu la girouette.
vous allez. Ça ne veut pas dire que c'est pas négatif la girouette, c'est juste vous laisser aussi un petit peu porter là où le vent va vous mener. On vous parle d'une situation légèrement instable et ça vous parle aussi de dépasser, on le voit avec la montagne, certaines difficultés. Et vous allez avoir ce besoin de vous adapter en tous les cas. Vous voyez, on a le voyage. Vous avez besoin de savoir où vous allez. C'est quelque chose qui vous demande de travailler sur un point de vue, effectivement, un angle de vue différent. Vous attendez que justice se fasse, les amis. Hein. Vous attendez une décision de justice. C'est important et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer. Soit parce qu'on vous doit quelque chose, soit il y a des... hors travail, ça peut être financier, ça peut être dû peut-être à une problématique de famille ou peut-être par rapport à une situation quelle qu'elle soit. Et on vous dit clairement que vous attendez que cette décision s'acte. Tant que ce n'est pas acté, vous ne pouvez comme pas bouger. Vous êtes encore un peu, vous avez la sensation d'être encore rattaché à votre travail ou rattaché à une situation qui ne vous va pas. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué. Il est question aussi peut-être de trouver un emploi, mais par rapport à un lieu de vie. Donc du coup, ça met une difficulté parce que vous devez trouver et un travail et un logement, vous voyez. Donc tant que vous n'avez pas un retour favorable peut-être à des démarches que vous auriez faites ou autres, mais vous attendez que ça s'acte. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt favorable avec la carte bleue dans un jeu. J'ai envie de vous dire que là, il y a des petites difficultés. Et vous allez avoir cet appui à un moment donné qui va venir vous aider à vous sortir d'une situation un petit peu pénible. Sur le plan sentimental, j'ai l'impression aussi que vous faites peut-être beaucoup de déplacements ou vous jonglez peut-être avec plusieurs boulots ou plusieurs situations de vie ou quelqu'un qui bouge beaucoup, qui se déplace énormément. Ça peut être aussi quelque chose qui est à discuter. Au niveau professionnel, parce que peut-être que ça fait trop, vous voyez, pour vous. Alors, au niveau sentimental, on a beaucoup de force, beaucoup d'appui, les scorpions. On a l'automne. Vous retrouvez de la force face à des complications. Il y a des petites choses qui sont un petit peu plus difficiles, qui sont un petit peu ralenties, les amis. Mais on vous dit que les choses vont s'acter et pourraient s'améliorer. Ça vous parle de l'amitié, des liens, de la fidélité aussi d'une personne, les scorpions. Ça peut vous parler aussi que certaines personnes vous aident et vous appuient par rapport à ça. Il peut y avoir, attention, de mauvaises fréquentations autour de vous ou autour d'une personne. Et donc, du coup, vous craignez un petit peu l'éloignement de ces personnes-là. Soit vous avez coupé un lien amical, familial ou amoureux, parce qu'il y a eu des complications. J'ai l'impression que vous vous êtes dit un petit peu des choses un petit peu fortes. Il est peut-être question de rediscuter. Alors, peut-être qu'il y a de l'ego là-dedans et personne ne veut faire le premier pas non plus. Donc, du coup, c'est un petit peu difficile parce que tout le monde vit, entre guillemets, pas bien dans son coin. Donc, j'ai envie de vous dire, si personne ne bouge, la situation aura du mal à s'acter, donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va s'en mêler pour vous aider peut-être à vous rabibocher ou en tout cas voilà essayer de recréer un lien avec cette personne là pardon, mais ça me montre que voilà, il y a ce, après il peut y avoir une situation un peu compliquée avec une personne avec qui vous êtes ami ou un lien, parce que cette personne a quand même un fort tempérament, un fort caractère et vous n'osez peut-être pas revenir ou cette personne n'ose pas revenir vers vous parce qu'elle appréhende un petit peu votre jugement, votre sentence. Et donc, du coup, cette personne est un petit peu coincée, bloquée, ou c'est vous qui vous sentez coincée, bloquée, ou vous ne savez peut-être pas trop comment vous voulez faire pour essayer d'arranger une situation. Donc, voilà pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Ça fait plaisir. Et si vous avez besoin de moi, vous avez mon site Les Anges et leurs Perles et je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, en tout cas moi je me fais toujours un plaisir de vous guider.
J'ai oublié. Je vous fais votre petite carte supplémentaire. Je commence à enlever, je me dis, ah, mais non, mais décidément, je l'oublie partout. Allez, on y va. Je vous fais votre petite carte supplémentaire. Il n'y a pas de raison. Hein. Allez, on a le boomerang. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans lequel vous avez certains compromis, vous réfléchissez encore à une situation, vous avez envie peut-être de faire revenir quelqu'un ou cette personne attend que vous reveniez. En tous les cas, vous allez faire des concessions, des compromis, vous allez acter une situation, vous attendez que ce retour se fasse et cet appui aussi se fasse pour que vous puissiez négocier quelque chose qui va être important. Et pour moi, ça sera une victoire, hein, quoi qu'il en soit, par rapport à ces signatures et ces compromis. Donc voilà les amis. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite une jolie semaine. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye! On passe à vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On y va, on regarde votre semaine, donc du 16 au 22 septembre. Alors, on a le 7 de bâton. On vous parle cette semaine d'un besoin de devoir vous organiser. Ça me parle de planification. Ça me montre aussi un besoin de... comment dire ça? Je sens que... pardon. Ça vous demande du courage cette semaine. Ça vous montre qu'il y a un besoin d'affronter certaines choses et Sagittaires. Et ça vous dit qu'il y a toute une... un système d'organisation en fait autour de vous dans lequel vous avez un besoin de trouver comme pas votre place mais un petit peu dans cette énergie là et peut-être qu'il y a des choses un petit peu hostiles autour de vous et donc du coup vous ressentez ce besoin cette semaine de trouver vos marques, votre place par rapport à ce qui vous entoure. On a la carte de l'étoile. On vous dit que vous avez plein d'espoir, plein d'espérance. On vous dit que vous êtes en train de suivre pour certains la voie de votre chemin, votre destinée. Et en dos de deck, on vous parle de l'as d'épée. On est sur une énergie où vous avez un besoin de renouveau, un besoin de vous sentir complètement apaisé et vraiment dans cette envie de pouvoir faire les choses. Il y a de nouveaux projets pour certains, il y a la concrétisation d'un projet, j'entends même d'un rêve, quelque chose de grand qui vous paraît peut-être même insurmontable ou peut-être très ambitieux, mais on vous dit qu'avec l'espoir et peut-être des connaissances, de l'apprentissage et de la persévérance, ben du coup ça pourrait sincèrement être payant. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez aussi, j'entends, envie de croire en vos rêves et en votre bonne étoile, tout simplement. Et visiblement, elle est au-dessus de vous pour vous accompagner à réussir ce chemin-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? Alors, on voit que au niveau émotionnel, vous êtes un petit peu ballotté. Il y a un petit peu de... alors, peut-être du surmenage. Beaucoup d'émotions qui se mélangent sur cette semaine. Pour certains, vous avez l'impression d'être un peu légèrement submergé, ou en tous les cas, un petit peu atteint. Mais on vous parle d'un appui parfait donc, pour ce nouveau projet. Si vous vous sentez un petit peu dépassé par des choses, un petit peu, comment dire, oui, un peu, vous voyez les choses un peu trop grandes pour vous, ou vous avez la sensation de vous perdre dans votre chemin, entre guillemets, l'appui est là pour vous canaliser. Il y a vraiment ce besoin de se sentir porté aussi. Donc, des fois, on vous dit, il y a des choses peut-être que vous devez laisser vous porter ou laisser, laisser aller les choses dans le bon ou dans le mauvais, quoi qu'il en soit. Si on vous fait du tort, laisser, ça va. Tôt ou tard, le karma s'occupera des personnes qui font du mal. Et il y a ce côté de se sentir aussi plus confiant dans ce que vous êtes en train d'entreprendre et moins être dans la résistance de ce que vous êtes en train d'apprendre. En dos de deck, vous voyez, on a le cloître. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu jugé, piqué, emprisonné sur certaines choses. Et on vous dit que pour l'instant, vous êtes en train d'aller sur une ascension. Vous êtes en pleine évolution.
pour régler quand même certaines choses qui sont quand même un petit peu difficiles, où il y a des désaccords, où il y a pas mal de choses qui vous tombent dessus, comme un emprisonnement, ou peut-être il y a des limites, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez, agir de la manière dont vous en avez envie. Donc ça vous bride un petit peu. Mais au final, je pense que sincèrement, il y a du potentiel dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un projet aussi, hein, pour certains, qui vous tient à cœur. Il y a beaucoup d'appui par rapport à ce projet-là. Vous voyez, quand je vous parlais de submerger, c'est la carte de la noyade. Alors, ce qui est bien, c'est que vous la sortez du bon côté. Donc, jusqu'à maintenant, vous étiez submergé. Et là, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Et cet appui est là. Vous voyez, la rencontre n'est pas là pour rien. C'est quelque chose qui vous est destiné. Ça peut être un projet, une personne, de nouvelles personnes dans votre vie. Et en tout cas, c'est porteur. Il peut même y avoir une relation sentimentale ou en tout cas avec une personne avec qui vous travaillez. Et il y a quelque chose qui vous porte aussi dans du renouveau à ce niveau-là. En dos, on a la recherche. Peut-être qu'avant, vous essayez de voir trop les petites choses et en fait, ça vous perdait. Et là, vous avez besoin de faire petit à petit, même si vous voyez les choses un peu moins grandes, ce n'est pas un échec pour autant. Et peut-être qu'elles vont quand même se faire grandes, ce que vous avez envie, mais ça prend du temps. Il y a une personne aussi, peut-être, qui pourrait venir vous proposer un poste, surtout si vous êtes dans l'attente d'un travail ou dans une relation de travail très conflictuelle. Je vois une personne qui vous tend la main, qui vient pour vous sortir d'une situation difficile. J'entends aussi la phrase « dans la recherche d'emploi », ça vous dit peut-être que vous élargissez pas assez le champ de recherche, les amis. Peut-être que c'est ce qui coince un petit peu dans votre recherche. C'est peut-être parce qu'il y a le logement qui s'en mêle et vous devez quitter une région, etc. Mais ça vous dit vraiment d'élargir aussi vos capacités, vos connaissances et votre lieu de recherche. Sur le sentimental, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit? Magnifique. Les guides sont présents, vous, de toute façon avec l'étoile, hein, souvent. L'argent, qu'est-ce qu'on vous dit? La triangulaire. Alors, ça vous parle de projets de couple, des choses que vous avez envie de faire, des choses peut-être dans des projets et le financier s'en mêle, donc peut-être par rapport à un achat ou autre, à financer quelque chose dans votre relation. Peut-être qu'il y a une histoire de financier entre vous et cette personne-là. Ça vous parle aussi de quelqu'un qui est riche au niveau émotionnel, qui peut vous apporter ou vous-même apporter à cette personne-là. En deux de deck, on vous dit non. Non à une triangulaire, non à une situation, par exemple, qui vous submerge, dans laquelle peut-être vous vous sentez accablé par beaucoup de choses. Donc, j'ai l'impression qu'ici, vous allez remettre les pendules à l'heure dans une situation sentimentale, amicale ou familiale, dans laquelle vous vous sentez un petit peu accablé, jugé, attaqué, piqué. Et donc, du coup, vous allez manifester des choses pour que ça se stoppe, cette situation. Il y a ce stop à la situation de l'enfermement. Pour certains, il y a une relation, bien sûr. Ça peut parler de triangulaire amoureuse. Ça peut vous parler aussi d'une personne qui vous redonne confiance à l'amour. Peut-être parce que à l'époque, ce n'était pas le cas, où il y a eu des choses plus difficiles. Et là, en fait, il pourrait y avoir une belle rencontre pour vous avec une personne qui est riche. Alors, riche, pas que financière, les amis, mais riche dans sa manière de voir les choses, dans son côté spirituel, même pour certains. Ça peut vraiment être quelqu'un de très, très connecté, avec qui vous ressentez une très forte connexion. Pour des couples, il y a vraiment des couples de longue date avec qui c'est très, très connecté. Il y a une tierce quand même dans cette relation. Alors, est-ce que c'est une triangulaire parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie? Est-ce que vous êtes dans une relation sentimentale qui ne va plus et vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre ou vous êtes attiré? La triangulaire, ça peut être aussi la famille, la belle famille, des enfants qui viennent séparer un petit peu la relation ou ça met de la tension dans la relation. Là, je sens que vous êtes en train de régler à quelque chose à ce niveau-là. Et ça peut aussi concerner tout ce qui est ex.
Donc, ça peut être aussi un ex, une ex qui, peut-être pour la garde des enfants, ne veut pas verser de pension alimentaire, ne veut pas vous aider, ne veut pas vous rendre de l'argent. Ça peut être une personne aussi qui vous en doit, ne veut pas vous rendre vraiment de l'argent. Donc, vous êtes un peu mal à l'aise par rapport à cette situation. J'ai l'impression que vous allez faire intervenir quelqu'un pour essayer justement de trouver ce compromis. On va regarder du coup en petite carte supplémentaire. Qu'est-ce qu'on me dit? Culpabilité, on en a deux qui arrivent. Culpabilité de l'homme. C'est quelque chose dans lequel vous sentez un petit peu accusé à tort. On est un peu dans l'énergie de du 7 de bâton, enfin dans l'image du 7 de bâton. Pas tout à fait dans l'énergie, mais dans l'image du 7 de bâton. Il y a ce besoin peut-être de se sentir. Peut-être vous avez été pointé du doigt ou vous avez eu l'impression de porter beaucoup de choses. Et puis au final, pour moi, vous sortez de cet état. Il y a ce besoin de sortir de cet état. On vous dit de ne pas vous laisser submerger par certaines choses, d'arrêter de porter tout le poids et la misère du monde sur vos épaules, les amis. C'est ce qui vous permet de vous soulager et ce qui vous permet de sortir de cette culpabilité. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça aussi, ça fait très plaisir. Ça me soutient beaucoup. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon site Les Anges et leurs Perles et vous le retrouvez directement sous votre vidéo dans le descriptif si vous en avez bien sûr envie. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Passez une très jolie semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir, les Capricornes. On y va pour votre semaine. Donc, du 16 au 22 septembre, quelle est l'énergie qui vous accompagne, les amis? Ouh, très beau. 7 de Pentacle. Déjà, on vous parle d'une situation de récolte. Et il y a ce besoin de pouvoir avoir la patience aussi de planifier les choses. La récolte est proche. Vous êtes en train de peaufiner en fait certaines choses. Et on vous dit que la récolte est proche. On est sur cette récolte, on travaille pour cette récolte, on est dans cette direction-là. Je vois qu'on vous demande aussi de faire preuve de patience et d'attente pour certains, pour justement peaufiner certaines petites choses pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'en ai trop. On va pas prendre autant, sinon il y a encore demain. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais y arriver. Allez, on a le valet de Pentacle. On est encore dans cette énergie de Pentacle. On vous parle d'un choix, d'une direction, de faire un choix qui sera important pour vous, mais en même temps, en tant que vous êtes astucieux, vous êtes doué dans un domaine et vous êtes en train d'apprendre, en tout cas, d'aller dans cette direction-là. Je vois quelqu'un qui doit être studieux, qui doit s'investir par rapport à ça. Ça vous parle avec le valet de Pentacle. On vous parle aussi de quelqu'un qui aime la nature. Ça peut être tout ce qui est végétation, tout ce qui est un besoin d'être près et connecté à la nature. C'est aussi le valet qui se rapproche beaucoup des animaux, de la nature, du bien-être. Donc il y a un besoin aussi de vous dire patience pour un domaine à ce niveau-là également. Ah, attends, je vais en prendre une qui vient. C'est-à-dire, je regarderai le dos de deck, mais après. Deux d'épée. On vous dit que pour l'instant, vous êtes encore un petit peu dans des conflits au niveau de votre mental. Vous commencez à entrevoir certaines directions et on vous dit que vous allez devoir faire certains, peut-être, choix aussi sur cette semaine. En tout cas, vous y travaillez pour. Et avec ce 2 d'épée, on vous dit que pour l'instant, vous avez certains petits conflits, vous doutez un petit peu, etc. Pourtant, ça vous parle d'une sensibilité avec le page de coupe, le valet de coupe. On vous parle d'une personne qui est quand même très tournée vers les animaux, près des autres, doux, attentionné, quelqu'un de très créatif aussi, et d'écouter donc votre créativité. Alors, on continue les Capricornes sur votre général pour cette semaine du 16 au 22. Allez, on a l'amour. Là, vous y mettez du cœur. Vous mettez du cœur à l'ouvrage.
on vous parle de la table. Il y a des... Je ressens qu'il y a des réunions, des discussions qui vont être importantes. Parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui vous retient, les amis. C'est ça qu'on vous dit qu'il y a encore un peu de patience. On vous dit qu'il y a des choses à peaufiner parce que vous êtes un petit peu perdu dans certaines choses ou vis-à-vis d'une situation. On vous parle de discussions qui seront très très intéressantes sur le domaine professionnel et aussi financier. Et on voit qu'il y a des discussions qui pourraient vous peut-être vous sortir justement d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué. On vous parle de la beauté. Donc la beauté, on est sur le physique, le corps, le cœur. La beauté du cœur, la beauté du corps, hein, tout ce qui est dans le domaine des apparences aussi, un petit peu à travers cette beauté. Et on est aussi dans cette énergie où on a besoin de retrouver une certaine... J'entends pour vous, il y a un besoin de retrouver une certaine confiance en vous et vous sortez d'une situation qui est compliquée, un peu pénible. Vous êtes dans une zone un petit peu trouble, mais vous êtes en train d'enclencher des choses, et ça va bientôt, vous allez bientôt atteindre ce que vous vouliez, en fait. C'est comme un palier, en fait, si on peut dire ça comme ça. On regarde. De toute façon, cette discussion, elle doit être importante pour vous, parce que c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir faire ce choix-là et réaliser quelque chose. On a le potier. Vous avez le devoir de faire les choses et de prendre les choses en main. Ça vous dit aussi que quelqu'un autour de vous vous aide au quotidien ou vous aide à vous prendre en main. Alors, je ne vais pas prendre les deux là, je vais prendre celle qui s'est retournée. Et on a le serpent. Serpent côté positif, attention, je précise. En dos, on a l'enfant. On vous parle d'un projet, quelque chose dans lequel vous avez une possibilité de transformer les choses. Il y a un rapport au corps hein, quand même aussi qui est important. Alors, est-ce que c'est un domaine de travail ou est-ce que c'est parce que c'est votre propre corps dont on parle, dans lequel vous êtes peut-être dans la confusion, peut-être il y a eu de la fatigue, il y a quelque chose qui vous empêche de bouger ou d'être dans les actions que vous aviez envie. On voit que vous avez un besoin de trouver quelque chose de beaucoup plus sain parce que je crois qu'il y a eu trop de pression, les amis. Et il y a pas mal de choses qui prennent de l'énergie. Ça peut être un domaine de travail aussi vis-à-vis des enfants, pour certains Capricornes. Et ça peut être aussi la conjonction entre la maison, le travail, les enfants, etc. qui fait aussi que peut-être il y a une forme un petit peu de surcharge. Et vous avez besoin d'être épaulé par la personne que vous aimez. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaye autour de vous accompagner dans un projet, etc. Vous avez envie de pratiquer les choses, hein, vous avez envie de prendre les choses en main. Et le serpent, vous le sortez du côté positif. Donc c'est la mue du serpent. Ça vous annonce une grosse transformation, les Capricornes. Et vous êtes en pleine mue, en pleine transformation. Il y a besoin aussi de manger sain, de s'équilibrer, de faire peut-être quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être une activité. Mais c'est aussi peut-être aussi de prendre un week-end cool, une sortie entre amis, entre copines, entre copains, qu'importe. Un besoin un petit peu de déblayer un petit peu aussi certaines pressions peut-être que vous avez. On est encore sur tout ce qui est les animaux hein, dans la même lignée qui ressort beaucoup. Besoin peut-être de s'investir par rapport à un domaine à ce niveau-là. Il y a un domaine naissant, vous réfléchissez. Ça peut être reprendre une activité aussi par rapport à un enfant ou par rapport à un arrêt de grossesse, une reprise d'activité à la suite d'un petit bébé. Voilà, vous n'avez pas envie de le lâcher et en même temps vous avez envie de retravailler. En fait, vous êtes un petit peu, voilà, vous voulez bien aller bosser entre guillemets, mais voilà, pas sous n'importe quelle condition et ça vous fait quelque chose forcément. Certains parents, ça sera le cas. Certaines mamans ou papas, ça sera le cas. Ok, on va regarder votre sentimental. On vous dit en tous les cas que les choses se font au fur et à mesure. On vous parle de rituel au niveau sentimental. La beauté revient, les amis. La beauté revient et le désir. Alors déjà, il y a un besoin de prendre soin de soi. Pour certains, c'est un rituel. Rituel beauté, rituel bien-être. Ça peut être... prendre une activité pour faire du sport, se reprendre en main,
faire des choses qui vous font, quoi qu'il en soit, du bien. C'est pas forcément que du sport et manger de la salade, les gars. Ça peut être aussi, je sais pas moi, aller en boîte pour ceux qui aiment sortir en boîte. Ça peut être justement vous faire un bon resto avec des amis. C'est un besoin de se faire du bien déjà, d'accord? La beauté, bien sûr, ça peut être attention à l'alimentation, un besoin de peut-être faire des choses différentes, prendre, voilà, modifier des petites choses à ce niveau-là, au alimentaire. Et ça peut être aussi des rituels, rituels de beauté, prendre soin de sa peau, prendre soin de ses cheveux, de ses ongles, qu'importe. Voilà, un besoin de prendre soin de soi. Si vous êtes un homme et ça ne vous parle pas de vous faire les ongles, si ça vous plaît, c'est cool. Si ça ne vous plaît pas, c'est peut-être la personne que vous aimez. Vous aimeriez que cette personne fasse peut-être plus attention à elle ou des petites choses comme ça. Attention, il faut que ça vienne d'elle. Sinon, ben, ça ne fait pas plaisir. Alors, cœur brisé. Il y a quelque chose, effectivement, dans lequel je sens depuis le début qu'il y a besoin de se prendre en main et se faire du bien. Il y a besoin de pouvoir consolider ce petit cœur brisé. Il peut y avoir des choses qui peuvent vexer, peuvent blesser. Attention, parce que le 2DP peut être piquant, cinglant, et du coup, on est un peu paumé. Donc, dans cette relation, si quelqu'un est un petit peu dur dans ses propos, ça peut faire mal. Vous attendez, en tout cas, de l'investissement dans une relation et que quelqu'un prenne les choses en main. Pour certains, vous patientez que cette personne aille mieux ou cette personne fasse un geste par rapport à vous. Si ce n'est pas le cas, vous allez cruellement vous ennuyer dans cette relation et vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de quelque chose de plus pimenté, de plus foufou, quoi. Et pour certains, il y a vraiment de l'ennui. Alors certes, ça peut être une très belle personne, ça peut être quelqu'un qui vous plaît physiquement, ça peut matcher dans l'intimité aussi, hein, bien sûr. Et j'ai l'impression que vous attendez aussi plus de cette relation et vous attendez... Peut-être que c'est aussi ça qui est le problème, c'est qu'il y a un manque de relation, il y a un manque de tendresse, de douceur dans cette relation. Et c'est compliqué pour vous, donc ça vous fait mal au cœur, ça vous sépare encore plus de cette personne. C'est peut-être pour ça aussi que d'un coup, vous tournez la tête sur d'autres personnes et vous pouvez même être potentiellement attiré par d'autres personnes. Il peut y avoir une nouvelle personne dans votre vie. Pour les célibataires, il peut y avoir une personne qui vous plaît beaucoup. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement intuitif, intuitive. C'est quelqu'un qui vous attire énormément. Il y a un vrai potentiel, une attirance chimique presque. Et ça ne s'explique pas. Mais par contre, voilà, c'est peut-être la relation qui va vous aider à passer cette rupture difficile. Et jusqu'à maintenant, peut-être vous n'étiez pas encore prêt. Et voilà, peut-être que... Alors, je ne vous dis pas que vous allez tomber amoureux demain ou amoureuse, mais peut-être voilà, vous enclenchez un changement et donc du coup, ça vous permet tout simplement de vous sentir plus apaisé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette semaine encore? On vous parle de travail et on vous parle de la fécondité. Vous voyez, pour certains, c'est un arrêt vis-à-vis d'un enfant par rapport à une grossesse aussi ou d'un projet naissant. On est soit sur un projet naissant qui est en train d'évoluer, soit... On vous dit que voilà, vous avez peut-être aussi des questionnements ou vous essayez de réfléchir à la manière dont vous voulez avancer. Peut-être par rapport à un enfant, comment vous pouvez concilier vie professionnelle et vie de parents. C'est quelque chose qui ressort quand même par rapport à ça. Et pour certains, vous avez un projet. Vous êtes en train de réfléchir à la conception d'un projet. On n'est pas encore sur la naissance de ce projet. On est dans une forme de conception. Donc vous êtes en train de construire quelque chose, ça se peaufine. Vous, ici où je vous ai dit, je vous sens aussi peaufiner peut-être un projet. Donc la patience sera une bonne chose. Ça va vous aider à justement faire quelque chose de beau, clairement. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous aura parlé. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner, ça fait toujours très très plaisir et ça me soutient beaucoup sur YouTube. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, plaisir aussi, vous avez mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez dans la barre d'infos, je vous ai mis le lien directement si cela vous intéresse. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une très jolie semaine, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous, les Verseaux. J'espère que vous
vous allez bien les Verseaux, je suis très contente de vous accueillir. On y va. Oula, vous êtes au taquet les Verseaux. On ne perd pas de temps. On y va, go les Verseaux. Ça ne perd pas de temps. Ok, on a le chariot. On vous parle d'une direction, les amis. Vous allez prendre une direction, un chemin. Il y a ce besoin de trouver sa voie. On vous parle d'une action qui est plutôt rapide. Quelque chose qui va plutôt aller dans votre sens. Ça me parle aussi d'une situation dans laquelle vous êtes plutôt réceptif et vous avez ce besoin de pouvoir bouger, avancer, mais tout en faisant quand même ce choix de savoir où vous avez aussi envie d'aller. Ah ben oui, ah voilà, on a le 7 de coupe, donc on est vraiment dans le choix, les amis. On est dans un choix rapide, efficace. Ça vous parle de quelque chose qui va passer rapidement sur cette semaine, une décision, en tout cas une décision, un choix qui va devoir se faire visiblement sur cette semaine. On a le 7 avec le chariot et on a le 7 de coupe, donc on a un doublon. Donc ça vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui est important. Le chiffre 7, c'est un chiffre sacré et c'est vraiment quelque chose qui est important aussi sur le plan peut-être aussi spirituel pour certains. Il y a cette sensation de devoir faire un choix, le bon choix, trouver ce qui va vous correspondre, quelque chose qui vous, dans lequel vous allez vous sentir bien. Ça peut être un choix de cœur, un choix professionnel, ça peut être un choix multiple, hein, vraiment pour le coup. Mais vous allez sur cette possibilité de choix, de faire un choix de sagesse, un choix réfléchi. Et il y aura quelque chose dans lequel vous avez une tendance à aller vite. Donc, bon, on va voir. Et où, vous voyez, la spiritualité, je l'entendais. Il y a la grande prêtresse, donc il y a vraiment la papesse, hein, clairement. Vous allez faire un choix qui sera important. Alors, ça peut être un choix spirituel, ça peut être un choix de connexion, d'ouverture d'esprit. Ça peut être quelque chose qui vous raccorde à une vibration bien particulière. Et on voit que vous allez écouter beaucoup d'intuition aussi. Alors, ça peut être aussi une personne spirituelle à côté de vous, ou qui peut vous aider dans ce choix-là. Mais en tous les cas, il y a un événement qui va devoir être pris en considération. Donc du coup, hop, on voit que la papesse vous aide, quoi qu'il en soit. Cette ouverture d'esprit est là. Pour certains, vous avez un choix, peut-être de faire quelque chose dans la spiritualité, hein, pour certains. Mais peut-être que vous doutez un petit peu de vos capacités. Ou peut-être, c'est peut-être aussi pour certains quelque chose dans lequel vous êtes en train de vous disperser. Par exemple, si vous faites trop de choses en même temps, ça ne veut pas dire que vous n'en êtes pas capable, mais ça veut dire que des fois, on se perd finalement. Et peut-être faut apprendre les choses une chose après l'autre, par exemple. C'est un exemple comme un autre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette semaine du 16 au 22? Allez, on vous parle d'une femme en particulier qui ressort dans votre jeu. On a le cloître. Alors, vous vous sentez un petit peu bloqué. Allez, on va prendre les deux. Elles veulent venir. Vous sentez un petit peu bloqué. Vous sentez peut-être une personne qui cherche à vous bloquer. Quoi qu'il en soit, vous allez faire un choix réfléchi. On vous dit vraiment d'écouter vos pensées. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui est lié à la destinée. Ça peut être un domaine d'activité que vous avez envie de faire. Mais peut-être pour l'instant, vous n'y êtes pas encore prêt. Ou vous ne vous sentez peut-être pas encore légitime. Pour certains, ça peut être aussi une situation vis-à-vis d'une personne autour de vous qui a certains comportements qui peut-être vous déstabilisent un petit peu. On a le trafic en dos de deck. On vous parle d'une situation aussi peut-être sur le plan financier, administratif, banque, assurance, notaire et papier. Et ça vous montre clairement que vous allez surpasser une problématique. Quoi qu'elle soit, il y a quelque chose de sérieux qui va être réfléchi. C'est quelque chose qui est destiné visiblement pour vous. Ça fait partie d'un choix, d'un choix de vie, un choix karmique presque pour certains. Mais on vous dit d'écouter votre intuition, d'accord? Il y a peut-être aussi une personne, vous doutez aussi peut-être d'une personne ou d'une amitié ou d'une personne autour de vous pour certains. Les Verseaux, vous posez des questions par rapport à des personnes autour de vous. Alors, elles tombent toutes. Je vais prendre juste celle qui s'est retournée. C'est déjà bien. Allez, on vous dit qu'au niveau professionnel, vous allez faire un choix qui vous mène à la paix.
vous allez faire un choix qui vous conduit, oui, à la tranquillité. On vous dit que vous avez les armes face à des choses qui sont un petit peu coincées et bloquées. Et justement, vous avez la dague de votre côté. Donc, c'est vous qui êtes détenteur de cette dague. Donc, ça veut dire que vous avez les armes pour vous en protéger. Si vous devez faire des choix face à des personnes qui cherchent à vous nuire, à vous bloquer, ou vous vivez une situation figée, vous allez avoir les armes pour vous sortir de cette situation. On vous dit aussi que vous êtes en train de régler quelque chose au niveau de la maison. Il y a quelque chose aussi peut-être où ça vous parle d'un appui par rapport au foyer, à la maison, à une personne qui occupe beaucoup vos pensées. Les choses s'arrangent parce que vous cherchez l'apaisement. Il y a quelqu'un qui réagit, qui est rapide, qui va vite et qui apporte l'apaisement. C'est peut-être aussi pour certains un besoin d'être chez soi, de travailler de chez soi. Ouais, on a le feu vert. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se règle pour vous cette semaine. C'est un choix qui va être très décisif et qui va être très important, visiblement. Ah, j'ai trop hâte de vous lire. Si vous avez des choix, franchement, ça serait plutôt pas mal. Ça vous dirait que vous aurez une tendance à faire ce bon choix, en tous les cas. Et si c'est en rapport à la maison, au financier, administratif, autre, vous allez faire un bon choix, visiblement. On vous dit feu vert. Feu vert peut-être pour l'obtention pour une maison, pour faire des travaux, pour vivre ensemble, pour concrétiser un local aussi. Peut-être vous allez acheter, louer un local pour faire votre activité. Quoi qu'il en soit, vous avez les armes en main. Toutes les personnes qui chercheront à vous dire ne pourront pas. Ça va bloquer parce que vous êtes trop armés, les amis, face à eux. Vous avez trop de ressources, vous avez trop de connaissances pour certains. Et donc, du coup, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas. Ça ne marchera pas. Vous voyez ? Donc, s'ils cherchent à vous nuire, ça ne fonctionnera pas. Vous avez le feu vert, hein, au niveau professionnel. Et je vous dis, c'est peut-être aussi en lien à une maison, un bien immobilier, quelque chose comme ça aussi. Vous allez débloquer une situation. Vous allez devoir faire un choix, par contre. Et vous allez débloquer cette situation dans laquelle vous vous sentiez peut-être enfermé. Ça peut être un lien, un héritage aussi, ou une séparation, ou un divorce, mais quoi qu'il en soit, ça va dans votre sens, les amis. Ça, c'est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le plan sentimental ? Trahison. Trahison, été. Alors. Et souhait. D'accord. Mais encore. Communication. Ok. Bon, ok. Feu vert sur la communication. Bon, j'entends que pour certains, il y a eu quelque chose d'assez impactant. J'entends plusieurs choses. Pour certains, j'entends que vous vivez une situation dont vous devez faire un choix face à une trahison par une personne. Une situation que vous ne vous attendiez pas, quelle qu'elle soit. Que ce soit un divorce, une séparation, une tromperie. Ça peut être amical, familial. Ça vous dit que cette situation, sur le coup, vous l'avez très très mal vécue. Mais en fait, aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est une forme de libération. Ça me montre aussi que peut-être que cette personne décidait beaucoup de choses dans le foyer, dans la maison. Et aujourd'hui, vous retrouvez une certaine autonomie. Ou en tous les cas, vous êtes libre de penser comme vous le souhaitez. Je ne sais pas pourquoi ça me donne ces informations-là, mais je vous les transmets. Pas forcément le jeu, hein, les amis. Vous me dites, c'est dans quelle carte, Sabrina, que tu as vu ça ? Non, moi j'écoute ce que j'entends, ma médiumnité, et les cartes sont un support, mais j'écoute d'abord. En séance générale, des fois j'utilise très très peu, et j'utilise ceux qui m'ont déjà vu et rencontré, j'utilise d'abord en priorité des supports autres que forcément les cartes. Donc du coup, voilà, ne cherchez pas des fois à voir comment j'ai vu. Là, il y a vraiment cette sensation, voilà, pour certains, c'est ça. C'est que je sens quelqu'un qui a été très commandé, qui a été très drivé, et qu'aujourd'hui, il y a une certaine libération parce que vous pouvez penser faire ce que vous souhaitez dans la maison et que plus personne n'a rien à vous dire. Et ça, ça vous soulage énormément. Pour certains, c'est l'obtention d'un souhait vis-à-vis d'un achat, d'une construction, d'une vie ensemble, d'une concrétisation vis-à-vis d'une relation. Surtout si voilà, vous êtes une famille recomposée, je sens que voilà, il y a quelque chose qui pourrait, il y a un choix à faire. Vous êtes peut-être en train de le faire, une décision qui devait se faire pour cet été ou qui se fait sur cette fin d'été. Et là, on vous dit clairement que voilà, vous passez un cap, une étape supérieure.
On vous dit feu vert dans la communication, surtout par contre pour les personnes qui ont eu un gros coup de colère, je dirais même ça comme ça, en tout cas de trahison, quelque chose qui a été compliqué. Ça peut être aussi dans le passé que cette trahison revient, c'est une blessure aussi peut-être dans laquelle vous aviez besoin d'avancer, de travailler pour vous en libérer. Quoi qu'il en soit, vous allez faire un choix de libération, vous êtes encore une fois armé jusqu'aux dents. Si quelqu'un s'en prendrait à vous, il n'y a pas forcément de mauvais choix. Vous avez peut-être peur aussi pour certains de faire un mauvais choix. Il est question aussi d'un déplacement près de la mer. Il est question aussi de se rapprocher d'une personne éventuellement. Oui, je sens que c'est peut-être un déménagement près de la mer ou en tout cas de changer de région pour certains. Il y a une envie de changer de région, d'aller sur des... Je vois des horizons différents, en fait. Vous réfléchissez peut-être où vous voulez aller vis-à-vis d'un logement, d'une maison, ou ça peut avoir une incidence forcément sur le boulot. Mais j'ai l'impression que vous posez ces questions-là. Vous souhaitez un changement, en tous les cas. Vous le ressentez, c'est important pour vous. Vous avez envie de faire des changements. Ça vous ferait du bien, j'entends. Ok, on regarde la petite carte supplémentaire. Il y a un besoin en tout cas de retrouver une certaine fraîcheur dans la relation aussi. Allez, voyez la communication, les paroles qui reviennent avec le miroir magnétique. Il y a une forme de communication. Je vois comme un écho en fait. J'ai l'impression que quand vous parlez, il y a quelque chose qui revient. Il y a un écho. Ça me montre, je ne sais pas pourquoi ça me montre ça. Je vois sur une montagne et j'ai l'impression que vous attendez quelque chose qui revient en fait, un partage réciproque. La carte magnétisme, il y a ce magnétisme hein, qui est charismatique, qui peut attirer beaucoup de choses vers elle, vers lui, qui est ce côté magnétique qu'on n'explique pas dans cette communication, dans cette relation. Et pour certains aussi, c'est un besoin de retour. Le magnétique, c'est on attire à soi aussi ce que l'on dit. Donc, il y a un besoin soit de vous ouvrir dans la communication, soit de réfléchir à ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a quelque chose qui est... vous allez percevoir, j'ai l'impression, cette semaine. Soyez attentif à ce qu'on vous dit, à votre ressenti, les amis. Ça va être très, très important, j'ai l'impression, pour vous. Ça va vous aider à faire ce fameux choix pour certains. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera pour votre semaine. N'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire si ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles. Et vous retrouvez tout sous la vidéo, je vous ai mis le lien direct si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! Et enfin, on passe à vous les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. On y va, on regarde votre semaine. Les poissons, qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, oh, l'as de pentacle. Ça vous parle de nouveaux projets, une envie de partir à zéro, de remise à zéro dans votre vie. L'envie un peu de faire de nouvelles choses importantes. Il peut y avoir des choses aussi intéressantes sur le plan professionnel ou au niveau... des papiers. Oui, parfait. On a le 6 de bâton. On vous porte. Enfin, ça vous montre de l'intérêt, de l'attention. Ça vous parle de quelque chose qui évolue sur le plan matériel et spirituel pour certains. Il y a quelqu'un qui a envie de partager et de donner et d'être beaucoup plus dans le rapport doux, dans les échanges, les poissons. Ça sera important. Après, quand même, on a le 2 d'épée en double deck. On parle d'une situation dans laquelle vous étiez un peu perdu. C'est pour ça que vous avez un besoin de renouveau. Vous étiez peut-être dans des conflits ou dans une situation qui était peut-être un petit peu difficile. Et on vous dit clairement que vous sortez de ces conflits parce que vous avez de la considération, parce que vous amorcez de nouveaux projets, des changements dans votre vie. Il y a une envie de vous sentir à votre juste valeur. Il y a besoin d'avoir aussi la reconnaissance ou qu'on vous voit dans ce que vous êtes en train d'entreprendre dans votre vie.
Oui, vous voyez, vous avez un besoin de reconnaissance, hein, les amis, c'est sûr. Vous avez un besoin d'élévation. Vous commencez quelque chose de nouveau et vous avez envie d'être reconnu à votre juste valeur. Ça vous amorce ben, forcément ce changement. Hein. Il s'amorce ici avec l'as de Pentacle. On vous parle de nouvelles communications, d'un besoin de retrouver beaucoup de soleil. Attention, quand il y a beaucoup de soleil aussi, c'est une bonne chose, mais ça peut être aussi de l'ego. Attention à l'ego, à ne pas vous laisser avoir ou perdre dans de l'ego ou dans quelque chose dans lequel vous avez envie de briller inconsciemment. Et donc, on vous dit que voilà, les choses viennent parce que vous les méritez, les choses se mettent en place et les choses doivent se mettre en place tranquillement. Il y a une situation aussi qui touche les enfants, peut-être un nouveau projet, quelque chose qui va dans l'élévation, ça peut être un apprentissage, ça peut être une action nouvelle. En tous les cas, on vous dit que les choses vont s'améliorer, quoi qu'il en soit. Même si à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans le noir inconsciemment et que vous n'y voyez pas grand-chose. On vous parle de pic, on vous parle de la punaise, on vous parle d'un feu que vous attendez. Vous attendez une reconnaissance, hein, les amis, c'est évident. Vous attendez une prise en charge ou en tout cas une reconnaissance par rapport à une situation qui a été épineuse, qui a été un petit peu piquante. Et on vous parle de la maison. Ça peut être en lien à la maison, aux travaux, à un achat, etc. On a l'eau, donc ça peut être par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à un dégât des eaux, hein, bien sûr, parce que ça ressort. Ça peut être en tout cas quelque chose, c'est vos énergies aussi, l'eau, les amis. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose dans lequel vous allez peut-être aussi démarrer au quart de tour et peut-être vous voulez précipiter certaines choses. Donc, on vous dit que voilà, la reconnaissance sera là, qu'il y a quelque chose qui vous permet d'avancer et d'obtenir ces nouveaux projets. Ça vous dit que vous allez être efficace dans ce que vous allez entreprendre et dans un nouveau boulot, dans une nouvelle même relation, j'entends. Mais par contre, attention à ne pas brûler les étapes parce qu'à un moment donné, tous ces changements aussi vous perdent un petit peu pour certains. Et pour certains, vous êtes figé, vous attendez parce que vous attendez ce feu vert qui, pour l'instant, n'est peut-être pas encore d'actualité. On va aller voir votre sentimental du coup. Allez, on a les loisirs. On vous dit que vous avez envie de faire ce qui vous chante. Vraiment ce besoin de faire des choses dans lesquelles il y a de la légèreté. Vous avez un besoin de vous laisser porter dans la légèreté. Et pas forcément. Vous voyez, vous sortez de la tristesse. Vous sortez d'une situation où il y avait un manque d'attention, un manque de considération. Et là, et ça me montre aussi peut-être une relation un peu secrète, un peu gardée aussi, hein, j'ai l'impression. Il y a une période de chance. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage. Il y a une situation qui peut-être vous a un petit peu rendu triste. Il y a eu peut-être un stop dans cette relation. Une personne qui manquait de considération, qui manquait peut-être de partage. Vous avez besoin de ce partage. Quelqu'un attend en tous les cas ce partage-là. Ça montre une certaine petite tristesse, mais rapidement, vous allez rebondir. Les questions d'un déplacement aussi peut-être par rapport à une situation ou une relation dans laquelle il y a eu peut-être beaucoup de sentiments. Vous avez peut-être envie de passer une étape importante. Vous avez peut-être envie de vous engager davantage dans cette relation. Et pour certains, ça sera l'inverse. C'est-à-dire que cette personne, vous ne partagez pas les mêmes sentiments qu'elle. Et donc, du coup, vous n'avez pas envie de faire de la peine à cette personne-là. Mais vous n'êtes pas du tout dans les mêmes attentes dans la relation. Donc, vous avez envie de vous sentir libéré d'un certain poids. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui montre qu'il y a pas mal de blocages. Mais encore une fois, il y a un besoin d'aide ou d'appui. Et on vous dit que vous allez avoir cette joie-là. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va bouger, avancer, évoluer sur cette semaine. Il peut y avoir de bons moments, quelque chose qui arrive favorablement par rapport à une maison, par rapport à un foyer. Ça peut être l'obtention d'un crédit, l'obtention d'une maison. Vous avez trouvé peut-être un logement que vous êtes peut-être depuis un certain temps à chercher et c'était un peu le chaos. Et c'est peut-être savoir où vous allez aussi. Est-ce que vous allez dans tel et tel endroit, telle et telle région?
et tous les changements qui vont avec, vous voyez. Alors, quelle est la petite carte supplémentaire pour vous? Les poissons. On vous parle du verdict et on a encore ce voyage. Vous voyez, vous attendez cette confirmation ici, là. Vous attendez de savoir ce feu vert qu'il tombe pour enfin vous permettre d'avancer et de passer à une étape supérieure. Ça peut annoncer même un déménagement, une vie de couple, mettre ensemble et de vivre ensemble avec une personne. Et dans vos projets même, vous attendez que ce verdict tombe pour enfin être libéré. Avec la carte du voyage, c'est aussi un besoin de prendre de la hauteur sur les situations, de ne pas être aussi trop strict dans votre manière peut-être d'interpréter ou de juger. Alors, j'aime pas ce mot juger parce que je ne peux pas juger tout le temps. On n'est personne pour juger. Mais en tout cas, peut-être vous faire un avis sur cette personne-là et ne pas être trop dur dans la sanction ou dans la manière de vous comporter avec des personnes autour de vous. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. En tous les cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas de liker et vous abonner. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon site Les Anges et leurs Perles. C'est toujours un plaisir de vous guider dans le privé également. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye !